Bon allez, je voulais regarder ça. Euh, Israël-Palestine, à qui la faute Connais ça Messia, Mousdalouche et Lakis sur. Je suis pas content la, le, la chaîne de Greg Tabibian. Juste avant, petite parenthèse, là, il y avait encore un vote à l'ONU pour euh, appeler à un cessez-le-feu et comme d'habitude, vous savez qui a mis son veto. Bien sûr, je ne vais pas le nommer, mais je vais quand même le nommer le Grand Satan. Le Grand Satan a mis son veto pour. Euh, voilà, les USA ont mis leur veto. J'ai envie de dire, comme d'habitude. Hein, comme d'habitude. Bref. Les gens, on ne va pas tout regarder parce que ça dure, ça dure 2h16. Mais vraiment, le casting de l'enfer. Alors, connais connaissez ça Je ne sais pas si on dit connaît ça. Je connais vite fait. Je connais pas trop. Je vais vous dire un peu avant mes a priori sur les gens. Hein. C'est lui. Je crois que c'est un géopoliticien que Greg Tabibian vite souvent. Moi, j'ai un avis plutôt mythe négatif. C'est-à-dire que de ce que j'ai entendu, il raconte pas que des conneries, phrase bateau. ou c'est pas non plus le plus catastrophique, quoi. Mais c'est pas celui que j'irai voir. J'ai envie de dire autant écouter Pascal Boniface ou Bertrand Badi. Voilà mon avis. Voilà mon avis. Ensuite, euh, Messia. Bon, Messia, y a pas besoin de le présenter. Une figure d'extrême droite. Euh, Mousse. Mousse, il me semble que lui m'avait contacté par MP. Euh, sur Twitter pour que je débatte avec lui. Bien sûr, je l'ai euh, royalement ignoré. Hein, Mousse, euh, je ne sais pas si on dit Mousse. Mickey Mouse. Euh, déjà, Mousse, j'ai baisé ta meuf. Je rigole, je rigole. Euh, C'était une blague par rapport à Mickey Mouse. Euh, euh, je me transforme en soral. <laughs> désolé, euh, Sinucor. Désolé, désolé excuse-moi. Pardon. Je n'ai pas fait exprès d'avoir été vulgaire comme ça. Tu m'excuses Je ne referai plus des. Je vais, je vais redevenir gentil. Merci. Merci. Il, il m'avait contacté par Twitter pour faire un débat. Et tout de suite, moi, j'ignorais les, les, quel intérêt j'ai à débattre avec toi sur Israël. Et Maus, c'est vraiment le sioniste de droite et d'extrême droite, voire. C'est vraiment un total sioniste, un sioniste radical qui, qui est là à minorer les, les crimes d'Israël, voire à les légitimer. Il est sur la ligne, il n'y a pas de génocide, il n'y a rien, c'est la Palestine, il faut raser la Palestine. Voilà la ligne de, de mousse. Ensuite Dalouche et Lakis donc eux deux là là on dirait Conversano en mode arabe donc déjà Conversano en mode arabe il n'y a pas beaucoup de changements. mais euh, lui et Lakis Dalouche et Lakis je ne les connais pas donc on va voir ce que ça donne Alors c'est parti Il se passe quoi en, moment, en ce moment au proche orient Bon on de toute façon les gens on va je mets en 1 un, 2 un, je mets en un, deux, et il euh, y a des trucs qu'on va passer hein. Et le, et le plateau euh, bon, c'est un peu cheap tu as de l'argent pourtant euh. Tabibian, et c'est un peu nul là, le format du plateau là. On dirait, une, bon co on dirait une conférence de presse, Tabibian, l'argent. Vous prenez un pro-palestinien, vous prenez un pro-israël, vous les mettez dans le même reportage sur France 2, il y en a un qui va vous dire, euh, putain, un reportage de sioniste, et il y en a un qui va vous dire, eh ben ouais, voilà, okay. un truc de gauchiste, voilà, pro-arabe. Mais voilà. il a déjà dit ça la dernière fois, et j'ai déjà dit qu'il y avait des. Ok, ça c'est le truc habituel de dire, oh, non, mais chacun sa vision, mais t'as quand même des trucs objectifs pour juger la teneur d'un débat. C'est un peu trop facile de dire, ah mais selon ton point de vue, ça va être pro-ci ou pro ça. oui, d'accord, mais euh, ça veut pas dire que ça peut pas. C'est pas pour ça que ça nous empêche d'analyser un reportage et d'essayer d'avoir des points objectifs, quoi. Et effectivement, c'est quand il y a la déclaration Balfour qu'effectivement on identifie que les Juifs pourraient avoir un foyer national. Et le seul ministre juif du gouvernement lloyd George, a dit « Faites attention, vous êtes en train de préparer l'antisémitisme. » Bon, on rappelle, hein, c'est surtout... On rappelle, là, le, le projet sioniste est un projet européen né à une période particulière, produit notamment de l'antisémitisme virulent en Europe. Ils oublient de le dire, mais c'est quand même important quand tu veux remettre tout en contexte. Parce que là, ils disent un État pour les Juifs, comme s'ils parlaient de tous les Juifs de l'humanité, de tous les Juifs de la planète. Sauf que c'est un débat qui a, qui a eu lieu, euh, surtout et avant tout, en Europe. Quoi. Il a dit euh, Israël devrait euh, respecter euh, les décisions de l'ONU parce que c'est une décision de l'ONU qui a créé Israël. Je pense qu'il a démenti par la suite. Et je rappelle aussi sur l'ONU, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de rappels, euh, quand vous parlez de l'ONU, ce n'était pas exactement ça dans, dans 45-47 hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent Ouais, oh, mais euh, respectez les décisions de l'ONU, c'est l'ONU qui l'a fait, comme si on parlait du même ONU. On rappelle que euh, la plupart des pays n'étaient pas dans l'ONU parce qu'en fait, ils étaient colonisés. Hein voilà, euh, premier point que peu de gens rappellent. C'est quand même une dinguerie. Hein tu il y a un truc Oui, mais c'est l'ONU qui l'a créé. Genre, c'est tous les pays qui se sont mis d'accord pour créer ça, tu vois. Donc en fait, c'est surtout les puissances, c'était les, 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 les puissances coloniales. Un, un, peu, un peu comme maintenant Oui, un peu comme maintenant, oui. L'ONU a décidé en 1947 d'un plan de partage. Le plan de partage a été accepté par les Juifs. Il a été refusé par les Arabes. Oui, oui, par les Juifs. C'est-à-dire que tous les Juifs étaient d'accord pour ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion des Juifs. Les Juifs se sont réunis. Tous les Juifs. Il y a eu le porte-parole des Juifs qui a dit :« On est d'accord. On est d'accord. » Voilà. Donc ça, ça, c'est une lecture totalement antisémite, les gens. Hein. Mais on va, je pense qu'on va le voir avec les propos de Messia quand il va parler des Arabes et qu'en fait il va parler des musulmans, c'est qu'il a une vision homogène de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a les juifs, il y a les musulmans, ils se réunissent dans une pièce et en fait c'est une guerre entre eux. Il y a des porte-paroles juifs, il y a des porte-paroles musulmans. Et voilà. Et donc la guerre, c'est la guerre entre les Arabes musulmans et, euh, et les juifs. Voilà. Le plan de partage a été accepté par les juifs. Il a été refusé par les Arabes. Moi, ça, qu'il arrête. En fait, il y a un truc, c'est vous foutez de la gueule de qui si, ils sont en mode, bah les Arabes, ils ont refusé le plan de partage. Donc, euh, bien fait pour leur gueule. Sachant qu'au départ, on n'avait pas demandé l'avis la aux Arabes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu ce vote à l'ONU sans demander l'avis aux Arabes. Et les Arabes, dès le départ, ils ont dit, mais nous, on ne veut pas participer à ça. Mais moi, j'ai une question, parce que les gens sont en mode, oui, bah, les Arabes, vous n'aviez euh, qu'à accepter le plan de partage. Moi, j'ai une question à Messia, euh, Jean Messia, là, euh, le patriote français et tout. Si en 1947, on avait fait un vote pour euh, partager la France en deux, vous, ils auraient dit quoi, les Français quelle population dans le monde Si on avait appelé, on, on leur avait appelé, euh, est-ce que vous êtes pour partager le pays en deux on Aurait accepté Moi, ça me rend fou, ça. cest veux dire euh, ouais, ils ont, ils ont refusé. Euh, voilà, euh, c'est tout. Ils avaient qu'à accepter. T'aurais voté contre. Vous dire si on avait partagé la France en deux, t'aurais dit non, la même matin. On fait un plan de partage. Vous, êtes, vous seriez fous Non, non, jamais de la vie. On va prendre les guerres. Non, mais faut arrêter. On dit bon allez, il y a besoin d'un territoire pour ceux qu'on a opprimés, pour ceux qu'on a exterminés. Les Français, est-ce que vous êtes d'accord mais pour n'importe quel, hein. là on parle des Juifs, mais pour n'importe quel truc, hein. pour n'importe quelle population, hein. les Français auraient jamais dit oui. Hein. Donc ce truc de les Arabes ont dit non, bah oui, bah, oui ils ont dit non. On leur demande de partager leur pays en deux, ils ont dit non. Et je suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien. Hein. Je suis en train de vous dire, mais n'importe quelle population, si on leur dit euh, partager leur territoire en deux, là, pour le donner à une autre, à, à, à une autre population, aurait dit non. Et donc là, donc, ça, ça me fascine de voir les fachos dire bah, ils ont dit non, bah bravo les Arabes. Petite précision, oui, je vais faire tout le stream avec ce, ce chapeau de mini. Oui, alors euh, ne posez pas de questions. D'accord Je vais faire tout le stream, je vais réagir premier degré sur Israël-Palestine avec ce chapeau. Depuis, euh, depuis le 9e siècle ou le 10e siècle, cette terre était musulmane et était arabe. Bon. Bon, déjà, ils confond les deux. Elle est arabe, musulmane, c'est-à-dire qu'elle peut être arabe et il y a des juifs dedans et tout. Bref. bref. D'abord, il y a toujours eu une présence juive parce que le fait qu'il y ait des arabes n'a pas empêché des juifs de continuer d'y habiter. Quand il va savoir que même il y a des juifs arabes, <laughs> ça, va, ça va lui faire un bug dans le cerveau. C'est pas parce que c'était arabe qu'il n'y avait, qu avait pas de juifs. Bah oui, mais c'était des juifs arabes. Voilà, il faut que, faut que vous arriviez à enfin, comprendre ce truc. Là, je vous renvoie à la discussion qu'on a eue avec Ariella Azoulay. Arela Aïcha Azoulay, pardon. La discussion qu'on a eue avec Arela Aïcha Azoulay et Boutelja et Arela Aïcha Azoulay, on parle beaucoup dans ses livres. Et si Ela Et la Chouat parle beaucoup ça des Juifs arabes. Bref, le truc, oui, bah oui, oui, c'était des Juifs arabes. Oui. Et vous savez et que des Juifs dans le monde arabe disaient, par exemple, si Dieu veut, disaient Inshallah. Voilà, qu'on faut, faut le rappeler, Inshallah, c'est parce que juste en arabe ça voulait dire si Dieu veut. Voilà, c'était pas en mode ils sont musulmans. Non, les Arabes qui y étaient sont aussi des Arabes qui euh, viennent du Golfe, puisque les armées arabo-musulmanes qui ont propagé l'islam se sont installées successivement dans tous les territoires qu'ils Alors ça, ce n'est pas totalement vrai. Et ça, j'en le livre que j'avais partagé. Euh, Olivier... Non, ce n'est pas Olivier Roy, c'est lequel livre que j'ai partagé. Mais il n'y a pas eu forcément un, un gros déplacement de population, parce que peu... les, les fachos veulent nous faire croire qu'en fait, les Arabes, tu sais, de, de la péninsule arabique, sont allés partout, ils sont restés, ce qui n'est pas vrai c'est que tu as eu aussi beaucoup de conversions. Des conversions, alors là je ne suis pas en train de vous dire que les conversions se sont faites forcément pacifiquement. Non, on a eu des guerres pour faire ces conversions, mais c'est pas toujours ça. Il y a aussi eu des gens qui se sont convertis parce que c'était dans leurs intérêts pour garder le pouvoir et tout. Donc de dire que c'est que les Arabes qui sont allés là-bas et en fait ils ont envahi, ils ont remplacé la population, ce n'est pas vrai. Et même, il y avait des territoires qui étaient sous domination musulmane, mais la majorité de la population n'était pas musulmane. Ça a longtemps été aussi ça. Donc, le truc de en fait, les Arabes, ils ont, ils ont envahi tout le territoire, ils sont restés, c'est pas vrai. Et il faut distinguer aussi la population qui a dans le, la, la péninsule arabique et le fait de parler arabe. Et c'est ça qui amène aussi l'amalgame entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément que dans cette région, ça s'est mis à parler arabe parce que la domination était... La domination, qu'elle soit autant politique, économique, intellectuelle, était arabe, que les gens se sont mis à parler arabe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus ethniquement arabes. Et eux, ils veulent nous faire croire qu'en fait, les, les Arabes sont venus là et ont remplacé tout le monde. Mais bref, distinguer le fait de parler arabe et d'être ethniquement arabe font musulmans, etc. Donc il y a eu beaucoup de conversions dans ces territoires. Je dis ça pourquoi Parce que c'est un des arguments qui est utilisé par les arabo-musulmans qui occupent la Palestine et qui vous disent ah oui mais les juifs qui, qui reviennent c'est des juifs convertis. Euh, très bien. Mais enfin il y a... je veux dire euh, j'ai jamais entendu cet argument. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit des juifs convertis Je comprends pas. Je comprends pas la logique. De... On s'en tape. En fait le problème c'est pas qu'ils soient juifs, qu'ils soient convertis, qu'ils soient ci, qu'ils soient ça, et le problème c'est même pas qu'il y ait des juifs qui viennent sur cette terre, le problème c'est le l'aspect colonial. Ça peut être des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des athées, on s'en bat les couilles, c est, c est... arrêtez de déplacer ce débat sur ça. Le problème c'est l'aspect colonial. Et moi encore une fois, le problème c'est de faire croire que les juifs pourraient pas vivre sur cette terre. Mais bien sûr que si les juifs peuvent vivre sur cette terre. Le problème c'est qu'il y a un état qui fait croire qu'il représente les juifs et qu'il y a une politique coloniale. Mais on aurait pu imaginer tout Manière. Même, même les, les, les survivants de, de l'Holocauste, on aurait pu imaginer d'autres manières qui s'installent en Palestine. Il y aurait pu avoir des discussions avec les personnes présentes d'accueil, euh, sans voler les terres des autres. Donc le problème, c'est pas tant la venue de juifs qui, d'ailleurs, était toujours là. Il y a toujours eu des juifs sur cette terre et on aura toujours, si Dieu veut, et j'espère qu'il y en aura toujours, parce que ça fait partie de l'identité euh, du Moyen-Orient et même ça fait partie aussi, pour moi, de l'identité de l'islam, de l'identité du christianisme et cette cohabitation, cette, euh, cette relation qui peut être souvent, parfois, euh, violente, mais ça fait partie de nos identités. Mais le truc de « Ouais, c'est des convertis, mais que, qui ?» On s'en balaie, on s'en bat les couilles, c'est des convertis, pas convertis, on s'en fout mais l'aspect colonial, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens qui peuvent venir sur ces terres et la voler, c'est ça le truc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, les Arabes ont refusé en 1948 le partage. Les, a, les Arabes en général, et là, il, il oublie aussi les, 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 les dissensions qu'il y avait, et notamment les jeux de pouvoir et le fait que l'Occident pouvait aussi euh, per, euh, faire des pressions sur certains dirigeants arabes pour qu'ils acceptent ces négociations, et eux, en échange, ont des territoires et tout. Donc voilà, il a toujours une vision homogène des Arabes, les Arabes ont fait ça, et, et puis c'est tout, sans voir les conflits qu'il y avait et, et les enjeux de pouvoir, même entre Arabes. C'est-à-dire que c'était une période de décolonisation, entre guillemets, donc tu avais des dirigeants arabes. Qui voulaient avoir leur part du gâteau, notamment le roi de Jordanie. Il y avait aussi la question avec euh, les, les terres arabiques. Donc les Occidentaux jouaient sur ça. Donc présenter un bloc homogène, genre ils ont accepté, ils ont refusé, c'est totalement faux. Mais bon, demander à messie un peu de rigueur, euh, voilà quoi. De l'ONU, ils ont dit nous, nous ne voulons pas de 46% des terres, puisque par la guerre, étant donné que les Juifs sont mis. Oui, on... c'est à dire que c'est quand même étonnant. Il y a un patriote qui est en mode c'est quand même grave, ils ont refusé de diviser par deux leurs terres. C'est quand même bizarre. Ils ont refusé de donner la moitié de leur terre. Oui, moi je suis patriote, monsieur. Oui, je suis nationaliste, patriote français. Oui, bien sûr, je lutte contre le remplacement. Mais je ne comprends pas que d'autres refusent de donner la moitié de leur terre. Ah, voilà, voilà, pour replacer un peu la connerie du truc. Minoritaire dans cette région, nous pourrons tout récupérer, bouter les juifs à la mer et récupérer 100% des terres. Moi, je voudrais bien les sources, je voudrais bien les sources de tout ça, je veux que tu donnes. Moi, par exemple, je vais les citer là, euh, pour te dire que, en fait, les, les, ceux que tu appelles les juifs, mais en fait les sionistes, les sionistes ont accepté le plan de partage, mais ils ont accepté en sachant que, d'une, les arabes le refuseraient, et donc ça va amener à la guerre, et ce qui amène au point 2, eux pourraient conquérir davantage de territoires, notamment par cette guerre. Et ça, c'est notamment les recherches de... Euh, le nettoyage ethnique en Palestine. Ilan Papé, voilà, Ilan Papé, Ilan Papé montre bien avec des, des sources, et notamment euh, des sources de Ben Gurion et tout, que en fait les Juifs, les Juifs, pardon, je, voilà, je me laisse entraîner par son truc, les sionistes n'étaient pas contents du plan de partage parce qu'eux avaient l'idée du Grand Israël déjà à l'époque, mais que stratégiquement ils étaient d'accord pour l'accepter, pour faire bonne figure par rapport au refus des Arabes, parce que c'était évident que pour eux les Arabes allaient refuser, parce que <laughs> qui allait accepter de donner la moitié de ses terres Personne. Et qu'eux savaient déjà qu'ils allaient faire en plus la guerre, ils allaient avoir par la force la, la majorité des territoires. Et aussi qu'ils allaient expulser les Palestiniens de leur territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que des Palestiniens devaient vivre, continuer à vivre sur ces territoires. Et il y avait déjà en germe l'idée bah, du nettoyage ethnique. Donc euh, de toute façon, ça allait virer. De toute façon, oui, 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 oui on est d'accord. Oui, il n'est pas, pas content. Oui, oui, je sais, mais nous, on est d'accord. Voilà. Oui, on veut, bien. on veut bien. De toute façon, on va avoir plus. Eh bien, les Arabes ont mené une guerre contre l'État d'Israël, à peine l'État d'Israël déclaré, pour tenter de récupérer les territoires. Là, il ne dit pas qu'il y a eu euh, aussi le projet de nettoyage ethnique d'Israël euh, dès le départ, qu'il y a eu des conflits même avant le début du partage et de l'officialisation par l'ONU. Il fait croire que ça commence à partir de 1945 et il montre pas toutes les résistances qu'il y a eu euh, contre cette colonisation. On a l'impression que d'un coup, ils sont devenus fous, ils ont fait la guerre. Alors que c'est un long processus de, co de, de colonisation. quoi. Et 80 ans plus tard, les arabo-musulmans ont perdu. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que là, ils sont en mode euh, « ils font la guerre pour ça ». Ils font la guerre pour la moitié de leur territoire. Et ils sont quand même sauvages, les Arabes. Euh, excuse moi Il y a eu combien de guerres en France pour lalsace euh, la, la Meurthe-et-Moselle-là On parle même pas de la moitié de votre territoire. <laughs> Je dis votre oh, putain, les fachos, vous bon, câble. On parle même pas de la moitié du territoire français. Combien de guerres y a eu l'Alsace-Lorraine Combien de guerres y a eu pour l'Alsace-Lorraine vous êtes là en mode, les Arabes, ils arrêtent pas de faire la guerre Les Arabes déjà, mais bref, les Palestiniens. Je sais pas, votre territoire là, je sais pas, Meurthe et Moselle, Alsace-Lorraine, je sais pas, je m'en bats les couilles. Mais il y a eu combien de guerres juste pour ce petit territoire Et vous êtes en mode, vous comprenez pas que les Palestiniens luttent pour ça Ça me rend fou que quand c'est des Arabes, il y a toujours l'image. C'est des sauvages. La France a fait plein de guerres pour ça, des millions de morts pour ça Faut arrêter là Et vous comprenez pas que quand on vole la moitié d'un territoire, ils pètent des câbles ils, ont, ils se sont alliés pour, euh, contre euh, les États-Unis et la France. Israël était du côté des États-Unis et de la France. Ils ont perdu. 67, ils ont perdu. Mais quand soit... est-ce que la France et les États-Unis ont été du côté de la Palestine Là, ils il rajoutent le détail euh, le côté Israël-Palestine. En fait, le truc, c'est que, et c'est là qu'ils ne voient pas que c'est une guerre coloniale, c'est qu'ils font comme s'il n'y avait que Israël. Et ils ne voit pas qu'en fait Israël est soutenu par les, pu les, les puissances occidentales, notamment la France, notamment les États-Unis. Il y a même eu l'URSS qui a soutenu Israël. Et c'est ce soutien, notamment par l'armement, qui a permis la victoire d'Israël. Et c'est là qu'on voit qu'on dépasse le simple cadre juif-arabe ou euh, juif-musulman, comme il essaie de nous faire croire, que c'est aussi dans un contexte plus général, géopolitique, de guerre décoloniale. Tu vois même l'URSS, et oui, et l'arme la, nucléaire d'Israël, de, de, de qui c'est qu'il aura fourni Hein, euh, voilà. Les Arabes ont perdu la guerre. Eh bien moi je dis vae victis. Quand on mène une guerre pour essayer de tout récupérer et que in fine on perd, on ne demande pas la restitution de territoire. Pourquoi bah, En fait, il a une vision. Ça, c'est vraiment les, une vision fasciste pour deux, deux points. Le premier point, c'est. Euh, c'est bon, vous avez perdu, c'est terminé. C'est-à-dire que l'histoire se termine. C'est pas dynamique, c'est pas. Ça continue, euh, c'est la vie, euh, c'est pas perdu pour autant. On a perdu des. Non, c'est fini, hey, vous avez perdu, stop Et c'est la guerre. T'as perdu la guerre, t'as perdu l'armée, ça se termine comme ça. Alors, l'Algérie, c'est un très bon exemple pour deux choses. La première chose, c'est que ça a duré 140 ans, l'Algérie. Voilà, je voudrais te rappeler Jean Messia. Parce que Jean Messia, il serait en Algérie, il aurait de faire dans les années. 80, euh, euh, après 80 années, il aurait fait stop. Vous avez perdu, stop. Genre, euh, vous avez eu plusieurs défaites, c'est terminé. Bah ben non, ça, 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 ça marche pas comme ça, en fait. La France a perdu la guerre en 40. Oui, oui, non, mais c'est terminé, vous avez perdu. Euh, on a... Stop the count. La résistance, ça, ça, ça dure toujours et toujours. Et euh, en fait, la guerre, c'est juste ça qui règle le truc. Si t'as gagné la guerre, c'est que t'avais raison. C'est la loi du plus fort. T'as gagné la guerre, t'avais raison. C'est bon, t'as gagné. Voilà. Les Américains avaient raison sur les natifs américains. Ils ont bien fait de les exterminer, en gros. Voilà, grosso modo. Euh, malheur aux vaincus. Alors qu'en plus, dans le contexte, c'est pour montrer que la personne qui dit ça est moralement inférieure. Bah oui. Les gagnants ont raison parce qu'ils ont gagné. Le raisonnement est imprenable. Mais non, mais tout à fait. Surtout que bon, tu t'arrêtes l'histoire à un moment donné, quoi. Et surtout, encore une fois, et l'Algérie, c'est pour ça, l'Algérie, c'est pour ça que c'est un très bon exemple, c'est que guerre, ça ne se gagne pas. Je veux dire tout ne se gagne pas seulement par le, par le militaire, parce que si tu vas sur le militaire, et eh ben en fait, l'Algérie aurait perdu. Mais l'Algérie savait que militairement, elle n'allait pas faire le poids longtemps avec euh, la France. Mais c'est aussi le combat. Il y a, le, il y a la, la question économique qui rentre en compte. Il y a la question de la, de la diplomatie qui rentre en compte. Il y a la question de l'image qui rentre en compte. Voilà le Vietnam. Le Vietnam s'est perdu politiquement, mais c'est pareil pour l'Algérie. L'Algérie, la France avait les moyens de gagner militairement, sauf que bah, c'était trop mal vu à l'international. Euh, il euh, y avait un conflit aussi d'opinion au sein de, de, de la nation. Ça coûtait trop cher de faire la guerre, et pas trop cher seulement en termes d'argent, mais aussi en termes d'image, aussi en termes de maintien, de, en, aussi en termes de stabilité. Et c'est un peu aussi ce qui se passe actuellement en Palestine. Et là, il est en mode c'est bon, vous avez perdu, vous arrêtez. bah, bah, non, bah non, ça, ça continue. Ça continue, ça marche pas comme ça la vie, mon gros. Les arabo-musulmans eux-mêmes ont été des conquérants. On parle de la Palestine, ils te parlent des arabo-musulmans. Tu vois, vraiment la vision teubée, quoi. Euh, ouais, mais les arabo-musulmans aussi, hein. Oh, oh, voilà, euh, en mille, l'an euh, ils ont coquillé le Maghreb. Oui, on parle, on parle de la Palestine là, qu'est-ce qui que nous casse les couilles avec les arabo-musulmans d'en faire un truc homogène euh, qui n'a euh, ni temps ni histoire. Non, les arabo-musulmans de 1400 à maintenant, que ce soit d'Arabie saoudite euh, euh, au Maroc en passant euh, euh, par la Syrie, c'est pareil. Voilà, euh, peu importe le temps, l'espace, euh, ouais, c'est les arabo-musulmans. Les Arabes musulmans, hein, eux aussi ils ont conquis dans l'histoire. On sent pas les couilles. On te parle de la Palestine là. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles avec la conquête euh, du Maghreb euh, en, en l'envissant On s'en pas les couilles. C mais c'est une folie. C'est vraiment le niveau du, du truc. Ils, eux aussi ils ont déjà conquis. Hein. Ils ont conquis des territoires. Et alors On sent pas les couilles On parle de la Palestine là. Ah, ils nous parlent de Constantinople. Ils en Istanbul. Ils ont conquis l'Egypte. Ils ont conquis plein. Et de... alors Et alors c'est les Palestiniens de maintenant C'est quoi Est-ce qu'il n'y a pas plus raciste que ça de faire comme si c'était pareil Les Palestiniens là, qui, qui souffrent d'un génocide en ce moment même, bien fait pour leur gueule, il n'y avait pas euh, à conquérir euh, l'Egypte euh, euh, en l'an 800. Mais, mais c'est quoi ce truc Le mec se remet pas de Constantinople. L'endroit, ils ont converti jusqu'à l'Indonésie. Qui leur demande de restituer ces territoires Mais C'est-à-dire restitution des territoires à qui Oui, restituer à qui Je ne comprends pas à qui il faut le restituer. Si l'islam perd des terres et qu'il faut le restituer, dans ce cas-là l'islam qui a conquis des terres, il faut que l'islam les restitue. Or ceux qui vous disent les juifs doivent restituer des terres, ils ne vous parlent pas. On parle pas des juifs, on parle des Ah mais, mais heureusement que je participe pas à ce débat parce que là déjà je pète des câbles. Jamais que Erdogan restitue Constantinople à Istanbul, il vous parle jamais de que Erdogan restitue Constantinople à Istanbul. Il y a tout whippin Erdogan qui restitue, qui restitue la mosquée à Sainte-Sophie, etc. Donc il y a des situations. Ça n'a pas de sens. Il restitue la mosquée à Sainte-Sophie, mais qu'est-ce que tu racontes Les armées arabo-musulmanes ont, ont conquis des pays, ça a été des, des conquêtes définitives. Personne n'a jamais compté. Les Phéniciens, dont nous avons un représentant ici ce soir. Ah, tu... En fait, lui, sa stratégie, c'est dire c'est bon, Israël a gagné, arrêtez. C'est terminé, euh, voilà, c'est à eux. Ben non, ça se passe pas comme ça la vie, mon gars. Ça se passe pas comme ça. Après, si, veux dire, si toi dans ta tête, ça voudrait dire de repartir dans une conquête, je sais pas, de la Turquie pour les restituer à qui, je sais pas, aux chrétiens, ben vas-y, rien ne t'en empêche. Rien ne t'en empêche, tu peux mener un mouvement politique pour ça, mais j'ai envie de te dire bonne chance parce que les gens ont plus rien à foutre, c'est plus d'actualité. Maintenant, il est admis que euh, la Turquie, euh, ça fait des années, des années, des centaines et des centaines et des centaines d'années que maintenant c'est sous euh, domination musulmane, si tu as envie de dire, et que personne ne veut contester ça parce qu'il n'y a plus personne que ça dérange, que, qui est vivant et qui subit ça, voilà. Mais si c'est ton kiff, vas-y, ça n'empêche pas que là, en ce moment, il y a des gens, des Palestiniens qui sont là. Maintenant que je te parle, en train de mourir sous des bombes et qui aimerait bien que la colonisation se termine et qu'ils se battent pour leurs droits. Donc le reste, je m'en bats les couilles. Tu sais, c'est comme dans Le Monopoly où quand t'as le plus d'argent et tu fais stop On arrête le jeu Là, c'est vraiment Trump, stop de compte, on arrête, c'est bon, j'ai gagné, j'ai le plus d'argent. Non, non, c'est fini, c'est fini, on arrête là. Allez, j'ai gagné, c'est bon, allez, c'est bon. Il y a un descendant de phéniciens, moi je suis un descendant des coptes, il y a un descendant d'assyriens. Toutes ces civilisations ont disparu à la faveur de quoi De la conquête musulmane alors déjà, non, je veux dire, il y avait toujours une vie chrétienne, juive, dans les terres musulmanes, dans l'histoire. Alors encore une fois, je suis pas en train de te dire que c'était la belle vie tout le temps, mais il y avait quand même des cohabitations, on a vu des expériences de cohabitation entre chrétiens, juifs et tout. Euh, les chrétiens d'Orient, ils n'ont pas disparu. Je ne comprends pas, ils n'ont pas disparu. Il y a toujours des chrétiens derrière. Et d'ailleurs, euh, tu veux qu'on parle de, du comportement d'Israël avec les chrétiens d'Orient Déjà, qu'ils sont en train de tuer en Palestine des chrétiens palestiniens, ça, ça t'intéresse pas, hein? Et euh, regarde le comportement des colons israéliens à Jérusalem vis-à-vis -vis des chrétiens. Je voulais juste dire qu'effectivement, l'argumentaire consistant à dire il y a 2500 ans, mes ancêtres étaient là, prenez vos affaires et partez. Bah, c'est l'argument des Arabes. Hein. Non, c'est l'argument des. Non, mais non, 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 il n'y a pas 2500 ans. Non, non, non. Les Arabes, c'était il y, euh, y a 70 ans, vous avez colonisé depuis 70 ans, on continue la lutte. C'est pas l'argument des Arabes, ils ne sont pas là en mode on est là depuis 2000 ans. Ils sont, on est là. <laughs> tu comprends la différence entre. Euh, nous, il y a 2500 ans, on était là, donc cassez-vous. Et un palestinien qui dit Oui, mais nous, on est là. Voilà, on, on vit là. Mon père vit là, ma mère vit là, mon grand-père vit là, ma grand-mère vit là, ça va pas plus loin. Ils sont pas entre dire Mon arrière, est... arrière, arrière, et mes enfants vivent là. Est-ce que tu arrives à saisir la nuance, Jean Oui, bah voilà la différence. Ils sont là. <laughs> Aston Villa, Charles Villa, c'est bien, c'est bien. Charles Villa, c'est bien. Je vous dis, il y a eu plusieurs plans, dont certains acceptés par Hearst, pour trouver une terre. Et à l'époque de la colonisation, on disposait des terres comme on voulait. Ouais. Bon, donc le fait de Simon Voilà, la... c'est important. Ça, ça c'est important parce que ça rappelle la logique coloniale qu'il y avait là-dedans. C'était qu'on de bon, où est-ce qu'on va installer une colonie Si les Juifs avaient créé un État en Ouganda, ou si les Juifs avaient créé un État à Madagascar, ou en Argentine, là, ça aurait été de la colonisation. Parce que le peuple... Ah d'accord, ah oh, là 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 Son argument, c'est les Juifs, on est chez nous sur cette terre, donc c'est pas de la colonisation. Phrase de colon, hein, phrase de colon. Mais lui, les gens, c'est un ultra hein. Et le truc est totalement antisémite parce que ça voudrait dire que les juifs qui étaient en Europe, ils n'étaient pas chez eux. Parce que là, il est en train de dire en gros, c'est pas une colonie, c'est chez nous ici. Mais donc, ça veut dire quoi Les juifs qui étaient en Europe, ils n'étaient pas chez eux. C'est ça que tu veux nous dire Ils n'ont pas à être en Europe, les juifs Et donc, les juifs qui vivent en Europe, ils colonisent un petit peu déjà C'est grave, mais c'est grave. Et un peuple étranger à ces régions-là. Ah oui. D'accord mais les, les juifs qui. Alors, il dit que c'est un peuple étranger. Euh, mais il, les juifs européens qui, qui, qui ont vécu euh, la, la, la Shoah et qui ont vécu l'antisémitisme européen, c'est des juifs qui étaient installés depuis longtemps quand même. Pas, donc, euh, la Palestine, c'était aussi étranger à eux. Ce n'est pas parce que dans les textes, il y avait un truc de retour à Israël ou que sais-je, que ça veut dire qu'ils étaient familiers du territoire. Ils étaient étrangers à ce territoire. C'est pas voir aussi le mélange qu'il a pu avoir. Euh, ouais, je veux dire, les juifs polonais, bah, je veux dire, en quoi, en quoi les juifs polonais étaient rattachés. À, 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 à ce territoire-là. Ça, c'est un truc totalement raciste, de faire quoi, je sais pas, euh, dans leur sang, ou que sais-je. Moi, regarde, allez, moi je suis musulman. Ouais, dans votre tête, je suis musulman. Mais je suis étranger à Médine, hein Je suis étranger à la Mecque, hein Je veux dire, c'est pas c'est pas, pas chez moi. Alors, moi, il y a un lien. Moi, je peux, par contre, je peux totalement comprendre le lien spirituel et le lien religieux et l'intérêt pour des juifs de se rendre à Jérusalem, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que la Mecque ou Médine, c'est chez moi. Comme ça ne veut pas dire que pour n'importe quel juif, euh, la, la Palestine, c'est chez eux. Ouais, l'Arabie saoudite, c'est pas chez moi. Chez moi, c'est en France. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un lien avec la Mecque. J'aimerais bien un jour aller, si Dieu veut, à la Mecque. Mais pas, c'est pas ma terre, en fait. C'est pas là où j'ai mes ancrages, là où j'ai mes racines, comme vous dites. C'est un autre mode de vie, c'est un autre mode de pensée. C'est tout autre chose. Donc il faut arrêter ce truc. Même dans le christianisme, le grande-ville du christianisme, c'est Rome. Tous les catholiques ne sont pas citoyens de Rome. Bah oui. Juif, pour eux, c'est une nationalité, c'est trop grave. Bah oui, bah oui. Mais c'est pour ça qu'ils parlent du peuple juif, comme si ça formait un tout homogène euh, avec les mêmes, euh, les mêmes modes de vie, les mêmes pensées, les mêmes... Euh... Et ça, c'est profondément raciste pour moi. Ça, ça enlève la diversité qu'il y a derrière le, le, le mot juif, l'identité juive, elle est multiple. Le motionnisme, c'est pas seulement l'idée pour les juifs de créer un État. Ça, c'est simplement le droit des peuples à un État. Dans le motionnisme, il y a Sion. Sion, c'est l'une des collines de Jérusalem, qui est un terme que les juifs utilisent pour parler de euh, la terre d'Israël, qui est la terre indigène du peuple juif. Du coup, on peut revendiquer la Palestine en tant que chrétien, alors selon sa logique, oui. Oui. Et même en tant que musulman, hein, c'est un lieu saint important. Hein. Euh, les juifs n'ont jamais eu d'autres terres que la Palestine, d'ailleurs. Les juifs n'ont jamais eu d'autres terres que la Palestine. Donc, encore une fois, on est dans l'argument antisémite. Les juifs n'étaient pas chez eux en France. Les juifs n'étaient pas chez eux en Angleterre. Les juifs n'étaient pas chez eux en Pologne. C'était pas leur terre. C'est une folie de dire ça! Euh, si vous parlez des occupations d'autres peuples sur la Palestine oui tout son argumentaire c'est dire c'est chez nous quoi OK non mais phrase de colon. oui oui c'est chez vous, oui c'est par exemple il y a une occupation égyptienne occupation assyrienne babylonienne romaine grecque euh, mamelouk ottomane arabe à chaque fois que la Palestine était sous une domination étrangère c'est-à-dire sous une autre domination que celle des juifs elle... ah wow. ah ouais non mais là les gens mais pour eux, dans leur logique à eux, c'est que, en fait, c'est sous occupation étrangère. Les ethno nationalistes, merci, ouais, je vais dire ça. Les ethno nationalistes israéliens, pour eux, les ethnos israéliens, pour eux, c'est domination étrangère là. Tu pas comprendre en plus comment étaient les administrations des empires avant l'époque moderne. Bah, tout à fait, Elianez, bien sûr. Hein. Elle ne faisait partie que d'un ensemble colonial. Alors que, euh, pour, il n'y a jamais eu d'autres peuples souverains sur la Palestine, sur la terre d'Israël, que le peuple juif. D'où de, 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 Pourquoi D'où Comment Ça vient d'où C'est quoi la justification J'espère qu'il va pas nous sortir. En fait, là, la justification, elle est totalement religieuse, quoi. Quelle est le, le, la justification Je veux dire, et en plus, pendant 2000 ans, il y a eu une colonisation pendant 2000 ans. Putain, ouais, ouais, c'était la plus longue colonisation que j'ai vue quand même. Ah ouais, effectivement. Effectivement, elle a, elle a duré, hein. Wouh. En donc, 1400 ans, plutôt, on va dire, les conquêtes de l'islam, donc 1000 ans. Et une colonisation de 1000 ans de l'islam sur la, la Palestine. En gros, c'est ça l'idée. Ça fait 1000 ans que l'islam colonise la Palestine. Avant, avant qu'il le, le, que ouais. y ait la migration en Palestine, il ouais. y avait des gens qui s'appelaient les Philistins. Vous venez de ouais, C'est ah, pas, été... pas les ancêtres des oh. Palestiniens, ça. Hein Arrêtez. Non, non, non mais les, Alors, bloqués, attendez, voir. les Philistins, ils ont été massacrés. Par qui bon, écoutez. Donc, qu'est-ce que vous prenez par qui comme légitime Ils ont été massacrés. par qui À votre avis, par qui Par qui Il n'y oui, a ah, pas de Philistins à l'époque de Moïse. Ah non, il n'y a personne, c'est interdit. C'était à quelle époque Ah bah, c'est intéressant parce qu'on va. Mais encore, les gens, pour moi, ça, c'est un débat de Gaulmont. On s'en bat les couilles on s'en bat les couilles de tous vos trucs de philistins, de qui a tué qui. On s'en bat les couilles, c'est pas la question. Tu sais, il y a un génocide en ce moment, ils sont en mode... Oui, mais il y a 2000 ans, il y avait les philistins, il euh, y a 4000 ans et tout. Euh, et puis, euh, qui a tué qui C'est pas le sujet. C'est pas le putain de sujet. Les phéniciens, c'était un, un peuple de, ouais. de voyageurs qui venaient de la mer Égée, qui se sont installés sur les côtes de la terre d'Israël. Nous, on parle d'Israël-Palestine en ce moment, d'un projet colonial, d'un truc impérialiste, de guerre, de conquête, de soutien occidental. Et ils nous cassent les couilles avec les phéniciens. Oh putain Attendez, reprenez. Quelle okay, période bah, allez bah, Avant qu'il y ait la migration quand même. Allez-y Avant, avant Huron-Caldé euh, allez allez Non mais bon, moi je fais un produit. Mais connais ça mais on s'en fout mais rentre même pas dans ce truc. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir avant ou après cet empereur ou avant lui ou... Oh, stop C'est ce là soir. où est parti avant. Gars, On est en 2024, Allô Oui, oui des... voilà, merci, merci. Les gens qui sont massacrés là. Pour euh, que ce soit, pas, on est en 2024, les gens qui sont ça, Mais la seule phrase intelligente du plateau là depuis un moment. Il y a des gens qui meurent sous des bombes qu'on appelle des MK-84. Pourquoi tu penses pas Est-ce que tu sais Non, non. Je pense on va pas en parler. Si, si, oui. on Non, mais je sais pas, mais, mais, mais on passe si tu là sur les Philistins ou je ne sais pas euh, qui est euh, sur euh, sens. Non, Mais en fait, on, on a la même pensée. Merci, gars. Merci, gars. Je sais pas qui tu es. Alors, politiquement, je préfère préciser parce qu'après. Euh, euh, et ça se trouve, il y a quelqu'un qui va faire son enquête, qui va montrer que c'est une personne d'extrême droite, et qui va dire, euh, oui Sam, qui va faire un trade Twitter pour dire, oui Sam, il a soutenu un cas d'extrême droite. Je ne sais pas qui c'est, je m'en fous, juste là, j'étais d'accord avec lui, merci de dire qu'on s'en fout, on s'en fout, je n'ai aucune idée de qui c'est. Mais merci, on s'en bat les couilles. Il y a aussi euh, un bébé qui a 9 mois, ouais. de la famille Libas, qui est otage de, de, du Hamas, depuis non, 9 mois. Gens, oui, mais, il y a eu, mais oui, c'est horrible, il y a eu combien de bébés palestiniens morts mais est-ce que là tu es en train de nous dire, Jean Messia, est-ce que tu es en train de nous dire que un bébé, mort, un bébé détenu c'est l'horreur c'est le bébé détenu et c'est pas les centaines de bébés morts palestiniens et là aussi vous avez vu 200 enfants euh, morts au Liban. Mais je comprends pas, le, tout est horrible. Tout est horrible là-dedans. Autant le bébé détenu en otage que les bébés qu'Israël que est en train de décimer, de déchiqueter, et euh, à travers une guerre que vous soutenez. Donc, viens pas nous faire le, des leçons sur euh, le Hamas euh, détient des, des en otage un bébé, oui. Et Israël est en train de massacrer des bébés. Donc, la solution, elle est politique, diplomatique, et déjà cesser le feu. Imaginez que la terre d'Israël, c'est du bois, d'accord C'est du bois, du okay. bois. Les Juifs, ce sont ceux qui ont fait la chaise. Alors après, y a... oh putain, mais ici quoi C'est des bas géopolitiques. Déjà, déjà, imaginez Israël, c'est du bois. Les Juifs, ce sont ceux qui ont fait la chaise. Mais pourquoi Mais pourquoi <laughs> Il y a eu des empires coloniaux, ils ont ajouté un coussin, ils ont ajouté des moulures, truc. mais sans les juifs, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de terre d'Israël. En fait, es en train de nous dire que s'il n'y avait pas eu les juifs, il y aurait... le, le, le territoire serait vide En fait, même son truc est complètement con. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les juifs, on va rentrer dans ton délire de les juifs ont créé la terre et tout. S'il n'y avait pas eu les juifs, le... en fait, ça serait un omaisonnant de le territoire Personne n'aurait fait la chaise Le bois serait resté comme ça mais qu'est-ce que c'est, ces conneries Et donc, euh, là, on dit que France, terre chrétienne ou que sais-je et tout, mais c'est dire que les chrétiens sont juste à rajouter des coussins et donc on a toute légitimité à virer les chrétiens, à déchristianiser la France, c'est ça dire Mais, mais comment marche la vie chez vous Et même avant les... les que, que je veux dire, il y avait des gens avant les juifs, il me semble il y avait des gens qui étaient là avant. Pourquoi ça commencerait à partir des Juifs et qu'on pourrait dire bah, c'est eux qui étaient là en premier bah, non, il y avait. Il me semble que l'histoire de l'humanité ne commence pas euh, à l'arrivée des Juifs sur cette terre. Comme, mais qui, qui, pourquoi, pourquoi Pourquoi ça me paraît tellement con de le dire Sans Les Juifs, il n'y a pas de Jérusalem. C'est une colline perdue au Moyen-Orient. Sans les Juifs, il n'y a pas euh, de christianisme et donc pas de croisade, donc pas d'occupation chrétienne européenne en Palestine. Sans les Juifs, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas de conquête arabe. Ouais, ouais, oui, l'histoire, euh, tout le monde est euh, doigt à ceux qui étaient là avant. Oui, c'est la vie en fait. Euh, oui, tu ne serais pas là comme on en est maintenant s'il y avait pas les gens qui étaient là avant. Et Mais les gens avant ne seraient pas comme ça s'il n'y avait pas les gens avant eux, qui eux-mêmes ne seraient pas comme ça s'il n'y avait pas les gens avant eux. En fait, tu es en train de refaire l'histoire de l'humanité Effectivement, oui, il y a l'histoire de l'humanité, oui. Le judaïsme a aussi, j'imagine, emprunté à des religions pré-monothéistes, j'imagine. Euh, je pense à des trucs, je ne sais pas, certainement, je pense qu'il y a certainement euh, des gens qui ont montré des liens entre les religions euh, euh, pré-judéiques et, euh, je ne sais pas, euh, ouais, les, les, les égyptiens ou d'autres trucs, hein, païens et tout. Je veux dire, on, on remonte jusqu'à où, là Je veux dire, rien ne, ne naît ex nihilo. Oui, rien ne naît comme ça, d'un coup, comme... voilà. Effectivement, donc et donc. on va chercher qui était le premier du tout premier du tout premier Je pense que c'est au bing-bong que revient la Palestine. On <laughs> sent les juifs, il n'y a pas Jésus sur la croix non plus, quoi. Ah, oui. là, 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 là. Mais, mais c'est quoi ce départ ça applaudit à ça, oui, non, mais public de grec tabibian, hein, j'ai envie de dire, bon. Qui est étonné Oui, les juifs délicites, oui, oui, non, mais qui est étonné Non, mais voilà, quoi, c'est catastrophique. Jabotinsky, qui préfigurait, en fait... Les gens, je vais pas tout écouter, je vais écouter les deux fous du bus, lui et Messia. Je vais mettre eux en priorité, d'accord Parce que ça dure deux heures. L'intérêt, c'est que j'essaye de répondre à leurs arguments un peu teubés, ok Alors... Le terme génocide est excessif... Euh... Moi, ça, ça m'énerve les, les 150 débats sur savoir si c'est génocide ou pas. C'est un massacre, voilà. Massacre, ça vous, vous pré... pour vous, c'est moins grave un massacre qu'un génocide C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre comme truc. Mais je ne vais pas passer trois heures pour savoir si c'est un génocide ou pas. Pour moi, ça, ça fait perdre la priorité qu'il y ait un massacre. Et en fait, ils venaient dire Oh, le massacre n'est pas si grave que ça. Si, il est grave. Le Hamas n'a rien à envier au Troisième Reich. Ah ouais. Imaginons qu'en Égypte ou euh, en Syrie ou en Irak, d'Assyriacs, de coptes, de Phéniciens. Qui euh, opèrent des opérations euh, terroristes euh, contre les États centraux en prétendant que euh, ce sont les propriétaires de ces terres et qu'en conséquence ils ont le droit de résister à l'oppression arabo-musulmane qui les a remplacés et qui les discrimine. D déjà il y a un exercice d'imagination ok oui d déjà quand tu vas dans les trucs euh, vraiment le spéculatif de malade mais allons-y allons-y que Vous auriez été les premiers à dire, mais ce sont des terroristes, il faut les exterminer. Euh, faux. Ils n'ont aucune. Oui, c'est faux. Alors, euh, moi, si me parlez à moi, euh, non, 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 c'est pas faux. C'est faux. Moi, il n'y a pas de logique de ce sont des, des terroristes, il faut les, faut les exterminer. Mais ça, c'est la, la technique de l'extrême droite, quoi. C'est de prêter des idées, des propos que tu n'as pas tenus ou que tu ne penses pas. Parce que ça facilite. En fait, ils sont en mode. 20... Oui, mais en fond, vous pensez comme nous, c'est juste que la situation est différente. Mais sinon, vous seriez aussi horrible que nous, donc arrêtez. Non, non, non. Mais ouais, bon auteur de science-fiction, effectivement, un marxiste. Légitimité pour agir, etc. Bizarrement, quand il s'agit du Hamas... Euh, je voudrais dire, parce que là, en fait, je sens son argumentaire, ça va être en mode le, le Hamas est islamiste ou que sais-je, mais en fait, réduire euh, la résistance palestinienne à un mouvement islamiste, c'est complètement un historique. Vous aimez bien l'histoire, mais quand ça vous arrange, en fait, vous êtes prêt à remonter à, à, à 2500 ans, à 3000 ans en arrière pour expliquer qu'en fait, c'est le territoire euh, des juifs, entre guillemets, pour justifier euh, toute la logique de la politique euh, défavorable au sionisme. Je sais pas comment le dire pour me faire bannir, c'est horrible. Euh, par contre, revenir il euh, y a 40 ans en arrière et dire que bah, le Hamas n'existait pas, il y avait déjà une résistance palestinienne qui n'avait pas du tout, ou qui avait beaucoup moins l'accent islam, pourquoi ça vous dérange Pourquoi ça vous dérange de revenir 40 ans en arrière et de montrer que bah, le Hamas n'est pas... Veux dire, est... Le Hamas n'existait pas, qu'il y avait une résistance palestinienne qui se faisait sous un cadre un peu plus laïque, entre guillemets, voire euh, totalement marxiste, comme le FPLP. Donc cet argument de euh, « euh, Islam et tout, domination... » Il faut arrêter avec ça Il faut arrêter Je suis désolé, mais si dans toutes les guerres, la priorité avait été faite sur les civils, nous n'aurions pas vaincu le Troisième Reich, par exemple. La comparaison avec le Troisième Reich, euh, alors je vais, je vais te dire une différence un petit peu, parce que là, tu fais la comparaison avec les bombardements sur le Troisième Reich et euh, le bombardement sur le Hamas qui tue des enfants à Gaza, euh, qui tue des innocents, qui tue des civils. Déjà, premier, première différence, c'est que en fait, il y, y a une manipulation idéologique, il y a une manipulation euh, totalement honteuse de la part d'Israël, en fait, dès qu'ils bombardent un territoire, bizarrement, il y avait euh, l'armée euh, du Hamas, il y avait une base du Hamas. En fait, ce qu'on montre... C'est que... Non, c'est pas vrai, en fait. C'est juste une manière de légitimer des, des crimes affreux, mais il n'y avait pas, euh, dans, dans la plupart des cas, il n'y avait pas du tout de base du Hamas. Euh, voilà, un hôpital, des camps de réfugiés, comme bizarrement à chaque fois... Non, mais en fait, c'était des, des gens du Hamas. Mais toi, ça ne t'intéresse pas de, de discuter de la réalité euh, de discours de propagande d'Israël. Ensuite, euh, la différence entre le Hamas et le Troisième Reich, euh, je ne sais pas, je dirais euh, minimum 6 millions de morts. 6 millions de morts dans les camps d'extermination. Alors là, je te parle que... Que des juifs et c'est sans compter euh, les millions de morts sur les champs de bataille les centaines de millions les centaines de milliers euh, de, 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 de blessés euh, oui 50 millions de morts 50 millions de morts minimum allez on va dire 50 millions de morts parce que là je t'ai compté que les juifs dans les, dans les camps d'extermination 50 millions de morts voilà donc je trouve que la comparaison entre le hamas et le troisième Reich n'a pas de sens c'est complètement débile est ce que tu arrives à comprendre ça jean bessia c'est dingue. De truc. Ouais, bah on faisait ça avec le troisième Reich. Ouais, mais le troisième Reich, ils avaient le pouvoir. Ils avaient une industrie militaire euh, puissante. Ils ont envahi plusieurs pays. Ils ont, mais en fait, je, je suis en train d'essayer d'expliquer la différence entre le troisième Reich, entre les nazis et le Hamas. Comme si c'était pareil. Je veux dire, je veux dire, et là, je ne parle même pas idéologiquement. Je suis en train de vous dire historiquement. Ça n'a pas de sens. De, 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 de comparer un pouvoir politique qui a envahi plusieurs pays, qui a fait des con concentration qui a causé des millions et des millions de morts avec le Hamas. Quoi que vous pouviez penser du Hamas C'est quoi ces arguments de teubé Mais donc lui il est en train de dire oui c'est pareil donc on pouvait tuer les, les bébés à Gaza. Voilà ce qu'il est en train de dire. Gaza, c'est le Troisième Reich, les Palestiniens, ah, le, c'est le, le Hamas. Le Hamas est un mouvement totalitaire qui n'a rien à envier au Troisième Reich. Ah, oui. Vous êtes d'accord avec ça ah, bon oh, ah, oui. Je dirais 5 000 chars, ah. 200 000 hommes. Là, là, il a raison. Déjà, rien que du point de vue militaire, tu ne peux pas comparer les deux. Et même idéologiquement, donc je pense que là, il va revenir sur le côté, euh, je pense, islamiste et antisémitisme. Je pense qu'il va reparler de la charte. Je ferai un peut-être point après sur la charte parce que je pense qu'il va y reparler de, de, de cette charte. Mais même, mais même, veut dire en fait, il y a aussi différents types de totalitarisme. Même si tu dis que le Hamas est totalitaire, partons dans ce sens-là que le Hamas est totalitaire. Oui, mais totalitaire n'est pas forcément nazi. Veut dire il y a d'autres régimes totalitaires. C'est pas seulement les nazis. je veux dire ce truc, cette comparaison avec le troisième Reich politiquement. Je veux dire d'un point de vue d'analyse, elle est débile parce que ça a pas les mêmes logiques, ça n'a pas les mêmes idéologies. Il faut arrêter avec ça. Même sur l'antisémitisme et tout, ça n'a pas les mêmes idéologies, ça n'a pas les mêmes euh, poncifs, ça n'a pas les mêmes sources. Donc arrêtez cette comparaison avec les nazis, là. Ce point Godwin débile. Vous pouvez vous moquer en comparant les matériels, mais moi je compare les idéologies. Ok. Les idéologies. Mais oui, l'idéologie nazie et l'idéologie euh, Hamas est totalement euh, semblable. C'est-à-dire que le, le Hamas parlait du suprémacisme blanc euh, arien, et voulait envahir euh, tout le territoire euh, européen pour son espace vital. Donc oui, je vois pas euh, en quoi, je vois pas euh, pourquoi vous comprenez pas qu'on puisse euh, comparer les deux. Je comprends pas. <laughs> hein? Oh, c'est le Hamas? De l'islam politique du Hamas? Qui veut détruire en gros tout ce qui n'est pas lui. Je vous... ah, donc là, c'est l'islam politique. Là, c'est différent. C'est pas seulement le Hamas qui compare au nazisme. C'est l'islam politique. Donc déjà, euh, le terme islam politique n'a pas de sens. Mais moi, si j'étais devant mes sièges, je lui poserais la question. C'est-à-dire qu'il y a souvent cette comparaison entre les musulmans et les nazis, ou l'islam politique et les nazis. Déjà, moi, la première question, par exemple, Chalgoumi qui, fait, euh, qui prend des positions politiques, est-ce que ce n'est pas de l'islam politique Voilà, première question. Chalgoumi, il, 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 il prend des positions politiques. Et au nom de l'islam, il dit que l'islam c'est ci, l'islam c'est ça, l'islam c'est pour la paix et tout. Euh, est-ce qu'il ne fait pas de, de, de l'islam politique Pourquoi là, ce ne serait pas de, de, de l'islam politique Et moi, il y a un truc tout simple. Il y a eu une expérience nazie de 10 ans. Ça s'est soldé par 6 millions de morts juifs des centaines de milliers et de milliers et de milliers de personnes placées en camp de destruction en camp d'extermination de 50 millions de morts et tout j'ai pas l'impression et en 10 ans hein, en dix c'est à dire de 33 à 45 allez, en 12 ans en 12 ans c'est ça le bilan du nazisme est-ce que on peut faire le même bilan avec l'islam et moi je sais pas alors je vais peut-être peut paraître un peu fou un peu dingue j'ose les choses j'ose le dire mais euh, moi je suis pour combattre tous les nazis tous les nazis et je pense même que euh, dans un monde idéal il n'y a pas de nazis parce que un nazi est forcément quelqu'un qui a un projet euh, génocidaire, antisémite, sexiste, homophobe, de suprémacisme et que quand il va le faire, il va imposer euh, le, la supériorité aryenne euh, dans un régime euh, au service aussi de la bourgeoisie, bref, tout ça. Donc pour moi tout euh, nazi doit disparaître. Voilà. Je ne sais pas si je vais être banni pour ça. Mais tout nazi de, de, doit disparaître parce que le projet politique est fondamentalement oppressif au plus haut point. Et donc là, il compare à l'islam politique, ou à l'islam tout court. Est-ce que ça veut dire que tout musulman, selon je, Messia, doit disparaître voilà, moi, je, moi, je voudrais bien qu'ils nous disent. Moi quand, moi, quand je compare quelque chose à un nazi, pour moi, un nazi doit disparaître. Il ne doit pas avoir de nazi sur Terre. Est-ce que. Messia affirme qu'il ne doit pas avoir de musulmans sur Terre. Voilà, c'est la question que j'aimerais poser. Tout ce qui est aussi débile dans la comparaison entre le nazisme et l'islam politique, même l'islam politique, c'est qu'on y a juste à regarder l'histoire pour montrer que l'islam politique s'est matérialisé de plein de matières différentes. C'est-à-dire que l'islam au pouvoir, ça a été des régimes extrêmement différents dans l'histoire. Le nazisme, on a eu un exemple. J'ai pas envie de. Euh, voilà, euh, alors, euh, peut-être qu'on va me dire, ouais, mais on a eu qu'un exemple. Oui, J'ai pas envie de recommencer. Hein. Euh, voilà, euh, loin de moi. Loin. Après, euh, libre à vous, hein, je sais pas. Hein. Ça s'est soldé par des millions et des millions de morts. Donc, le, le nazisme, c'est fondamentalement ça. Est-ce qu'il veut aller au bout de sa comparaison entre l'islam et le nazisme Et donc, s'il va au bout de sa comparaison entre l'islam et le nazisme, faut il faut qu'il soit d'accord avec les conclusions. C'est-à-dire que moi, je pense que messia est anti-nazi. Hein messia est anti-nazi. Et euh, donc, comme tout anti-nazi, il, il, il souhaite qu'il n'y ait pas de nazis sur Terre. Est-ce que donc, il fait, vu qu'il fait le parallèle entre nazisme et islam, est-ce qu'il fait le même parallèle avec euh, les musulmans Voilà. Voilà, c'est la question que j'aimerais lui poser. Je signale quand même que l'idéologie qui anime le Hamas, c'est la même idéologie qui a frappé au Bataclan. C'est la même chose. C'est l'islam politique non, si. non, 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 si, non. Bien non, sûr. non, 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 il suffit d'aller voir les experts. Je ne sais pas s'il est au courant, mais même il euh, y a eu des guerres euh, internes en Palestine et euh, le, le Hamas a tué des gens de Daesh en fait. Il y a des guerres, le Daesh et le Hamas se détestent. Et moi, je n'aime moi pas les deux, hein. Euh, moi, c'est pas parce que le Hamas déteste Daesh que ça devient mes amis. Non, au contraire, je déteste ces deux partis politiques. Mais euh, et, et, et à Daesh, encore pire, parce que pour moi, Daesh, c'est le summum de, de, de l'ignominie. Mais euh, le Hamas est anti-Daesh. Et il y a eu des, des, des guerres internes en Palestine parce que tu avais, avais des Palestiniens qui étaient alignés à Daesh. Okay et qui ont été euh, enfermés, euh, tués par, euh, par le Hamas. Et, là, je, et donc, ça ne veut pas dire que le Hamas est gentil. Mais de mettre en même temps, de même sur le même plan, le Hamas. Et Daesh, c'est ne rien comprendre à la diversité qu'il y a même dans les mouvements islamistes. Donc non, c'est pas l'idéologie du Hamas qui a tué au Bataclan, surtout que le Hamas a une perspective beaucoup plus nationale, beaucoup plus euh, l'objectif du Hamas c'est d'avoir une nation. Alors, euh, dans, dans, dans... après, ça débattre entre eux, mais je pense que ça peut être soit une république un peu islamique, soit une théologie. Ça, c'est dans les détails du débat du, du Hamas. Mais il n'y a pas du tout le truc un peu plus euh, sans frontières qu'il y a dans Daesh et d'avoir comme stratégie euh, de lutte de faire des attentats un peu partout. Ça n'a pas été la stratégie du Hamas. Donc mettre même sur le même plan, mettre sur le même plan les deux, ça n'a pas de sens. C'est débile. Je ne défends pas Israël, moi je ne suis pas juif, mais, combat... pas... mais il, il suffit pas d'être juif pour défendre Israël, il y a des, des non-juifs qui défendent Israël en fait, faut arrêter avec ça. Le, le sionisme, il y a des gens qu'on peut qualifier de sionistes et qui sont pas juifs. Faut arrêter ça. Euh, je suis neutre, hein, je suis pas juif. Mais on s'en fout, on s'en bat les couilles. Comme il y a des juifs qui sont anti, qui sont contre-sionisme. Faut arrêter cette débilité-là. Je ne suis pas payé par Israël. Mais en fait, en fait les. Jean-Messia, il n'y a aucun moment où je te soupçonne d'être payé par Israël, mais ils n'ont même pas besoin de te payer. L'alliance idéologique, elle est claire. Tu es fasciste comme Israël est fasciste. C'est une alliance de fascistes. C'est une alliance de racistes. C'est une alliance d'islamophobes. C'est une alliance d'intérêts entre un État islamophobe qui rentre en plein pied dans l'idéologie de la guerre de civilisation entre l'Occident civilisateur et les arabo-musulmans barbares sauvages qu'il faudrait tuer et toi qui as exactement la même idéologie. Donc il n'y a même pas besoin de te payer ou que tu dois jouer. On ne sent pas les couilles de ça. On s'en fout. C'est juste ton idéologie qui rentre en adéquation avec ce que fait Israël actuellement. Je ne suis pas payé par l'AFI. Non, je suis payé que par la Zabwa, qui est payé par l'AFI. En tant que Français, je vois. Que l'islam politique est le suprême. Et d'ailleurs, en tant que Français, est-ce qu'on a entendu euh, Il a dit quelque chose. J'ai pas, j'ai pas ses tweets. Est-ce que Messia a dit quelque chose quand Israël a arrêté les deux gendarmes sur un territoire français en Israël D'ailleurs, le RN a aussi été très très discret sur ça. Hein hein, Je sais pas. Les patriotes, vous étiez où quand il y a des, euh, deux gendarmes qui ont été arrêtés par euh, Israël contre le droit international Pourquoi vous n'avez pas entendu là euh, hein vous, vous énervez, vous fâchez c'est juste parce que l'État fasciste d'Israël vous plaît, c'est tout, c'est tout. Donc, Israël combat l'islam okay. politique, Israël combat la pensée frériste, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, c'est... <laughs> oh là 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 là, là. C'est grave, hein. c'est grave hein. le niveau politique. Hein. Et donc c'est ce que j'ai dit, c'est hein. l'adéquation politique. C'est juste que tu rentres en adhésion avec euh, leur, leur idéologie euh, islamophobe, c'est tout. Voilà, c'est tous des Arabes. En fait, ils tuent des Arabes et des musulmans. Ça te plaît. Et puis voilà, c'est pour ça que tu les soutiens. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Bah, vu que le Hamas est ennemi de Daesh, t'es ami avec le Hamas Bah oui. Dans sa tête, ça pourrait être ça. Moi, j'ai pas du tout l'idée de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, parce que ça peut vite devenir assez bizarre. Hein. Moi, il y a des ennemis de mes ennemis, c'est aussi mes ennemis. Hein. Voilà. Mais donc, cette logique-là, vu que le Hamas combat Daesh, sais bah, bon, voilà, bah le Hamas doit être ton ami. Je l'espère laisse avec ça, euh, Jean Messia. Imaginons que demain, le Hamas se résolve à rendre les otages et à déposer les armes. Est-ce que vous croyez que devant la communauté internationale, Israël va continuer à prendre les otages en 1980. Euh, bah, oui, oui, non, mais Jean Messia, mais il faut te mettre à la page. Déjà, il y a plusieurs sources qui ont montré qu'il y avait déjà eu des négociations et que c'est Israël qui n'a pas voulu. Et surtout, en fait, Israël est sur une autre logique. Depuis le début, le truc de Netanyahou, c'est pas il libère les otages et la guerre est terminée. Depuis le début, c'est l'éradication du Hamas. Donc il faut arrêter avec ce, cet argument de ouais, mais si Hamas libérait les otages, la guerre serait terminée et tout, Israël arrêterait. C'est faux. Israël dit lui-même que là, son, son, son son objectif politique, c'est l'éradication du Hamas. Et maintenant, exactement, le Liban n'a pas d'otages. Ils ont exactement la même logique maintenant au Liban, où c'est bah, l'éradication du Hezbollah. Et vu qu'en plus, on n'est jamais trop sûr de qui est au Hezbollah, qui est au Hamas et tout, bah, ça te permet en fait de raser un territoire. Donc oui, arrête avec ce truc des otages, arrête. Après, pour être ferme avec lui, il a délibération des, des otages et le Hamas dépose les armes et donc s'autodissout. Oui, bon, bah ça, ça n'arrivera pas. Venir, euh... Oui, bon, on arrête, c'est bon, vous pouvez nous coloniser. En fait, le truc, c'est, bah, laissez-vous. Bah, perdez, en fait. Perdez et c'est bon. Perdez et on vous laisse perdre. Perdez on arrête. Le Hamas ne cherche pas à épargner les vies palestiniennes. Il cherche, au... au contraire, à les augmenter. Parce que c'est oui. ça qui. Oui, donc c'est en fait, c'est les... les membres du Hamas qui prennent. C'est à cause. S'il y a autant de civils morts, c'est parce que les... le Hamas prend les civils, les met dans des camps de réfugiés et. Euh... Ah, ça marche pas. Mais. Mais alors, pourquoi Pourquoi ils bombardent alors les camps de réfugiés si... D'accord. Ouais, je crois qu'il y a un peu. Jean Messia, faudra qu'on discute, parce que je crois qu'il y a un bug dans ton truc. Parce que c'est quand même Israël qui, in fine, vise des camps de réfugiés, vise des hôpitaux, vise des civils. Je crois qu'in fine, c'est quand même eux qui tuent. Yahya Noir, qui a été éliminé par Israël, qui a passé, je crois, 15 ou 20 ans dans les jours israéliennes, a été soigné d'une tumeur au cerveau par des grands professeurs israéliens à qui il doit la vie. Bon, il y a le côté. Ils sont quand même gentils, ces Israéliens. Ils colonisent, ils tuent des gens, mais parfois ils en sauvent certains. En réalité, les Palestiniens devraient remercier les Israéliens. On est d'accord, en fait. Mais pourquoi on. Je comprends pas. En fait, c'est ça depuis le début, en fait. Les Palestiniens devraient remercier les Israéliens d'être là. Oui, il a été torturé pendant 20 ans. Mais oui, oui, lui-même, lui dit qu'il a été torturé, mais bon, on a soigné un truc, donc euh, ça va, en fait. Ça va, ça va. Bon, on a entendu à colonisation oppression pas euh, tu génocide, tu à génocide donc Vendamment. on a tout le florilège de ce que le militantisme anti-israélien peut produire de plus euh, mensonger, injuste. Ouais. et complètement délirant ouais. ouais. parce que la réalité en fait, c'est que tout ça c'est pas euh, ce qui existe, tout ça c'est ce que tu voudrais. Ah, D'accord, mais réveillez-moi en fait. Pourquoi depuis le début vous ne me réveillez pas en fait J'ai l'impression que la réalité c'est la colonisation de la Palestine, le massacre des bébés qui meurent et en fait c'est pas ça, il y a pas quelqu'un qui veut me réveiller ou dans ton logiciel, euh, Israël, c'est une pieuvre, c'est un monstre, c'est un état diabolique. Oui, c'est juste un état colonial, quoi. Voilà, ouais, c'est un état colonial, c'est tout. C'est Par contre, Israël est responsable euh, de tous ces échecs et de toutes les souffrances de toute la terre. Non, 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 non. Moi, je dirais euh, principalement de, des Palestiniens. Aujourd'hui aussi des Libanais. Euh, voilà, mais non, pas toute la terre, non. Euh, non des des palestiniens, palestiniens, des Palestiniens. palestiniens. Ah, oui, alors, voilà. Pas de toute la terre. Des alors, oui, voilà, oui, oui, bah oui, bah oui. Donc euh, ton truc de toute la terre, non. Mais quand même, euh, oui, mais quand même, bah, oui, pour toi, euh, les euh, Israël est, est, est le coupable de tous les maux de la terre. Euh, non, juste des Palestiniens. Oui, mais quand même. Mais qu pourquoi pourquoi je n'étais pas avec toi, en fait Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bah oui, donc pas de toute la terre. Donc, tu racontes n'importe quoi. Si, si, un peu, un, un peu toute la terre. Tu viens de dire non, pas toute la terre, mais euh, les Palestiniens. Évidemment, avant de faire un débat, on se renseigne sur ces... Non, mais attends, mais je comprends pas. Si, si, de, oui, bon, tu dis pas toute la terre, mais tu le penses toute la terre, quoi quand tu dis que le 7 octobre, bah en fait, c'est n'est pas une cause, c'est une conséquence. En fait, Absolument. ça découle. Donc, le massacre d'enfants, ouais. le massacre délibéré de civils. Il, il dit ça en mode, mais oui, d'accord, c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais il est en mode, tu te rends compte que le 7 octobre, il y a eu des enfants qui ont été tués délibérément. C'est horrible, mais es là, tu es en train de soutenir le fait que, en ce moment même, il y a des enfants qui meurent. Qu'est-ce qui se passe pourquoi tu veux essayer de me faire culpabiliser sur un truc que je dénonce pour en même temps euh, légitimer la même chose de l'autre côté avec des fois plus de victimes Ça, c'est ça qui me rend fou chez eux. Ils sont en mode là. Tu as, as un sioniste qui est en train. Il y, y a la guerre en, 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 à Gaza là. Israël est en train de bombarder Gaza, il est en train de tuer des enfants. Il est là en mode. Et toi, toi, t es, t es en train de légitimer le 7 octobre, la mort d'enfants. Mais non, c'est toi qui es en train de le faire à Gaza. Le 7. Octobre Oui, d'accord, mais il y a d'autres... Le 7 Je vais me calmer. Je vais me calmer parce qu'ils il me rendent fou là. En plus, euh, ça décoiffe tout, euh, tout mon nœud. Ah, c'est pas des enfants, c'est des arabes, pardon, excusez-moi. Par le Hamas le 7 octobre, en fait, toi, tu le dilues, tu le disperses, Je l'inscris dans un tu l'effaces. Non, je l'inscris dans un. Mais c'est les mêmes qui ont dit il y, y a deux minutes, il y a des civils qui meurent en, à Gaza, mais c'est à cause du Hamas, ils ne se donnent pas les otages, et puis bon, ils mettent des bases n'importe où, et puis bon, bref, c'est à cause du Hamas. Ils sont là en mode, et là, là tu veux placer un contexte, mais c'est vous qui placez, c'est vous, vous faites, vous faites ça avec le, 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 le massacre en cours depuis un an. Si vous dites oui bon il y a un contexte quand même puis c'est le Hamas puis bon c'est voilà quoi puis bon euh, voilà hein, c'est pas sûr ces gens-là sont pas sûrs le, tu l'inscris dans un contexte oui, je pour sais pour comprendre ce chemin voilà. ça, ça veut dire violence donc ça tu vois c'est fondamentalement immoral donc en fait pour c'est leur seule stratégie de dire non mais ça c'est pas bien voilà voilà quoi ils ont su, ré, réduit. c'est-à-dire que eux défendent le massacre qui se passe en cours ou de le relativiser c'est moralement bon et là non c'est pas bien ça c'est non non, t'as pas le droit! Madame, il, il, il a pas. Non, il doit pas le faire! Un... Non, 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 c'est pas bien! Non, la maîtresse, elle a dit non, c'est tout! T'es pas... un méchant! Donc, en fait, je vais te donner un exemple. En 1994, il y a un terroriste juif. Ça doit te parler. Baruch Goldstein. Oui, il est allé est dans mosquée la mosquée de, de Hevron. Euh, il a tué 29 Palestiniens. D'accord? C'était un terroriste. Il Yitzhak Rabin, le premier ministre de l'époque, est-ce que la société israélienne a. a expliqué à des gens. Mais en fait, ça s'explique, mon gars. Là, tu de nous avoir en mode vous n'avez pas expliqué les actes terroristes de terroristes israéliens. Mais, mais mon gars, ça, ça s'explique. Mais on le fait pareil avec les terroristes suprémacistes blancs. On le fait pareil avec Brivik. Bien sûr qu'il y a des choses qui expliquent pourquoi il en est venu à ça. Mais en fait, euh, euh, LV1 euh, de la sociologie, des sciences sociales et tout. Euh, voilà, Spinoza, euh, bref, voilà, LV1, philo. Euh, expliquer, ça ne veut pas dire excuser. Hein euh, c'est pas parce que j'essaie de comprendre pourquoi telle personne a fait ça que je dis que cette personne a eu raison de faire ça. En fait, je vais dire un truc tout simple. Les gens ont des raisons d'agir comme ils agissent. Ça veut pas dire qu'ils ont raison d'avoir agi comme ils agissent. Je vais te le répéter. Les gens ont des raisons d'agir tel qu'ils agissent. Ça ne signifie pas qu'ils ont raison d'agir tel qu'ils le font. Est-ce que tu comprends la, 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 la différence? Et donc, oui, il y a des facteurs qui expliquent pourquoi euh, euh, ce terroriste a fait cet attentat dans euh, une mosquée. Euh, Et l'un des facteurs, eh ben, c'est l'idéologie. Euh, ultra sioniste qui pousse à la détestation euh, des arabes qui explique que en fait et des arabes musulmans et qui explique en fait que c'est eux contre nous et qu'il faut agir contre ces musulmans et que même il y aurait une légitimité à les tuer donc oui bien sûr qu'il y a une manière de comprendre pourquoi il y a eu ce terroriste veut dire ce truc de dire oh, on peut rien comprendre on peut pas on peut pas expliquer on peut c'est une logique de te comme toi toi as un te b on nous n'a pas le mal à le dire aussi pour des gens qui visent euh, des noirs ou des arabes voilà Expliquer des mécanismes n'est pas justifié exactement. Mais on en est à ce niveau-là. Comme tu avais une raison de mettre ce nœud sur la tête, oui, parce que je trouve ça très marrant que je sois là à leur, à leur faire la leçon, à un débat intellectuel, à leur montrer ce que c'est vraiment euh, de savoir, d'avoir un propos à peu près basé sur ça, sur euh, ce qui se passe à Gaza, avec euh, mon truc de, de mini, et représentation euh, des États-Unis, quoi. Parce qu'en en fait, je, je suis sous domination américaine. Voilà, il faut le savoir. Je ne vais pas expliquer le meurtre d'enfants délibéré par un terroriste par une explication causale d'accord je n'ai pas été de le c'est quoi c'est juste c'est bon d'un coup il a pété un câble il a voulu tuer des enfants dans leur tête ça marche comme ça il y a quelqu'un il se réveille un matin il veut tuer des enfants il tue des enfants c'est tout voilà le monde des droits tard. mais ça ce monde des droits tard, pourquoi ils aiment beaucoup ce monde parce que ça les arrange ça les arrange d'aller pas dans les explications sociales de, 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 de ne pas explorer les facteurs parce que ça pourrait remettre en cause leur idéologie non c'est dur juste non c'est des fous ils sont levés un matin et voilà ils ont voulu tuer des enfants de l'amoindrir, de le relativiser. C'est pas relativiser, mais c est, c est, elle est bizarre, votre logique. On peut essayer de comprendre quels sont les facteurs qui ont amené quelqu'un à tuer des enfants. Ça n'enlève pas que le geste, il est horrible. Il est affreux. C'est pas parce que tu les facteurs qui ont conduit à cette horreur que l'horreur est moins horrifique. Au contraire. Et même, je trouve qu'il y a un caractère totalement horrible dans le truc où tu te dis, mais en fait, c'est des êtres humains qui ont fait ça et que personne n'est épargné. C'est-à-dire que si tu connais le même mécanisme social, il n'est pas impossible que toi-même, tu en viens à commettre des, ces, ces horreurs. Je vais dire un truc tout simple. Prenons la Palestine et prenons ce que fait euh, Israël en ce moment. C'est-à-dire en train de tapisser des bombes, de tapisser de bombes à un territoire, de tuer des, des, des centaines de milliers de personnes, d'en blesser euh, euh, des centaines de milliers, de déplacer un million de personnes. Voilà, prenons la situation à Gaza, tout est bombardé. Euh, et prenons un enfant, un enfant de 12 ans, qui voit sa mère mourir. Qui voit son père déchiqueté, qui voit son petit frère mourir et tout, eh ben rien ne dit que cette personne là dedans disant ne commette pas des, des, ne commette pas le pire, ne commette pas des horreurs. Et ce qui est horrible là dedans, c'est que tu comprends que les gens qui commettent des horreurs, ils sont pas nés monstres. C'est pas juste des malades mentaux qui d'un coup ont décidé de tuer des gens. Non, c'est des personnes comme toi et moi qui ont vécu des trucs qui ont pu être horribles, traumatiques, que l'on en fait péter un câble et qui peut les amener à commettre ce genre d'erreurs. Et ce qui est horrible là dedans, c'est que tu dis toi tu n'es pas épargné par ça. C'est possible selon ton parcours de euh, d'avoir des choses qui vont t'amener à commettre des horreurs. Et c'est ça qui aurait, c'est ça qui, qui fait peur là-dedans. Et c'est là que tu comprends que dans les deux cas, le, le meilleur pour tous, c'est d'avoir une digne pour tout le monde. Et c'est plus tu vas permettre une digne pour tout le monde que tu vas empêcher au maximum que des gens en finissent à commettre ces horreurs-là. Et ce qui n'enlève pas la responsabilité de ces personnes-là. Parce qu'on est autant agi par les structures que par des choix individuels. Mais malheureusement, les choix individuels sont très très vite limités par les structures. Et ça, c'est du marxisme de base. Hein. C'est mar du marxisme de base, c'est-à-dire que le marxisme joue beaucoup sur les structures, mais n'oublie pas l'individu. Bien sûr, il y a toujours la question de la responsabilité individuelle. Sauf que, et on revient aux structures, dire, ta responsab responsabilité individuelle est très vite euh, déterminée par les structures. C'est-à-dire que bien sûr, tu as toujours un petit peu le choix et tout, mais le choix, il est très, très vite réduit. Un truc tout simple, c'est un exemple tout simple qu'on m'avait donné, c'est que, imaginons un grand parc, et bien un bourgeois, il aurait facilement la possibilité de se balader n'importe où dans le parc, de faire tel jeu, tel site, tel ça, euh, de décider ci, d'essayer ça, alors que qu'un ben, prolétaire, ben, euh, dans le même parc, il sera, il sera bloqué dans une barrière, il aura un territoire beaucoup plus petit pour exprimer sa liberté. Voilà. Le bourgeois aura tout le parc pour exprimer sa liberté. Et les conditions d'existence du prolétaire feront qu'il il pourra visiter une toute petite partie du parc. Alors, il aura la liberté dans cette toute petite partie du parc d'aller là où il veut, mais il sera quand même limité. Il y a toujours la question de la responsabilité individuelle, mais elles sont aussi déterminées, elles sont aussi euh, limitées par les structures. effet, quand il dépasse un certain niveau de, de violence, il sort de la causalité. C'est pas une question de violence. explicable sans être moralement justifié. Alors, évidemment que. Ça, je pense que Greg, Greg, lui, il comprend ce truc de, de l'expliquer. Lui, je pense qu'il comprend la logique. Euh, de, 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 de dire oui, mais c'est pas parce que quelqu'un commet des horreurs qu'il n'y a pas des facteurs qui conduisent à cette horreur. Je pense que lui, pour tout, en toute franchise, il, il comprend ça. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent revenir aux frontières de 67, qui ne sont pas des frontières d'ailleurs. Euh, aux frontières de 67, ils, veulent, ils font ça pour tuer du juif. Oui ou non Non, c'est faux. tu tout dis simplement, juste ça, juste ça. juste Mais en fait, c'est comme si, euh, en fait, je me limitais à dire qu'Israël veut tuer des Arabes. Voilà, voilà le, le niveau de votre argumentaire où euh, toute complexité est balancée, où en fait. C'est un monde dual et en fait, juste eux, ils veulent tuer des juifs. Et bon, bah voilà, on peut juste dire que. Et ça serait débile de ma part de dire juste en fait, Israël voulait juste tuer des arabes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est quoi Un continuum adéquat C'est ça C'est de Un continuum d'oppression qui a mené au 7 octobre. D'accord. Donc, dans ce cas-là, tu justifies que parce qu'il y a eu le 7 octobre, tu ne justifies pas. Tu l'inscris dans un contexte. C'est trop compliqué pour eux. C'est fascinant. C'est fascinant. Ils ont du mal avec ça. Ils n'arrivent pas à comprendre la différence. C'est vraiment, ils sont coincés sur ça. Donc, tu justifies Non. Mais là, es en train de dire qu'il y a des facteurs qui expliquent. Oui, ça explique, ça justifie pas. On explique comment ça a pu arriver, qu'est-ce qui nous a mené à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison de faire ça. Mais il n'y a pas que de la mauvaise foi. Je pense qu'ils sont aussi bêtes. Laisse-moi hein. te poser la question. Donc, dans ce cas-là, il y a aussi un continuum adéquat de la répression d'Israël suite au 7 octobre. n'est pas une. Bah, oui, oui. Là, ce qui se passe depuis un an et depuis un an en, en, en à Gaza est lié notamment au 7 octobre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison de le faire. <laughs> voilà. Tout simplement. Jean Messia, voilà. Si le Hamas et le Hezbollah avaient disposé des mêmes moyens technologiques et militaires qu'Israël, ce n'est pas le cas. Mais c'est quoi cette vision du monde je Veux dire si Hamas avait les mêmes moyens technologiques qu'Israël, mais on serait pas dans la même situation On serait dans un monde totalement différent. C'est quoi ces questions de teubé cest veut dire ça a pas de sens. C'est comme si je te disais ouais euh, si le Bangladesh avait le PIB des États-Unis, qu'est-ce qu'il ferait Eh ben ça serait un monde totalement différent. Ça serait pas la réalité. Vous arrêtez pas de dire ouais les cochines vous fuyez le réel, euh, euh, le réel ça vous plaît pas et vous inventez des scénarios de, de science-fiction. Mais tu comprends Jean-Messia que ce si le Hamas avait les moyens technologiques et militaires d'Israël, ben, je veux dire, le monde serait complètement différent. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des pays impérialistes, qui auraient des puissances militaires, qui auraient fourni des armes au Hamas, et donc on serait pas du tout dans le même contexte. Donc ta question n'a pas de sens, parce que ce monde-là n'existe pas c est, c est, On aurait d'autres modes de pensée, on serait dans un tout autre monde. Là, on parle du réel, hein Allez, droitard, hein, vous aimez ça, le réel, normalement Qu'est-ce que vous nous racontez avec votre science-fiction T'es capable de faire que ça D'inventer des scénarios de science-fiction qui n'ont pas de sens mais c'est complètement con comme question. Et le Hamas pense actuellement comme il pense parce qu'il est dans cette situation-là et Israël pense actuellement comme il pense parce qu'il est dans ce contexte-là avec ces moyens-là. dire c'est complètement con. Des gens pensent ce qu'ils pensent parce qu'ils sont dans un contexte précis. Donc Quoi évidemment que si Israël voulait commettre un génocide à Yanis, il y aurait Alors, attends. Attends, mais j'avais pas vu le truc. Le titre c'est si Israël voulait commettre un génocide, il y aurait plus un Palestinien à Gaza. On est, on, on est tous d'accord, les gens, attendez, pour mesurer la dinguerie du truc, on est tous d'accord qu'il y a eu des survivants à la Shoah. Il y a eu des juifs qui ont survécu à la Shoah. On est tous d'accord de ça. Est-ce que vous comprenez la logique folle de son argument C'est ouf de sortir ça. C'est grave. On pourrait dire pareil, donc là il est en train de nier le génocide des Arméniens parce qu'il y a eu des survivants, il est en train de, de, de nier le génocide des Juifs parce qu'il y a eu des survivants, euh, il est en train de, de, de nier le génocide des, des Tutsis parce qu'il y a eu des survivants. En fait, c'est un, un argumentaire complètement négationniste. Il y avait 2,1 millions d'habitants à Gaza il y a un an, et aujourd'hui il y en a. C'est combien C'est 1,1, million. c'est n'importe quoi. quoi. Donc au de Varsovie il y avait combien non, mais jamais jamais envie de de ouais, ouais. Sachant qu'un génocide, ça ne se mesure pas au nombre de victimes, en fait. Le, le génocide, c'est pas tu as tué autant de personnes et puis c'est bon, c'est un génocide. Euh, c'est la raison pour laquelle, par exemple, les natifs américains, ils refusent pour l'instant d'appeler ça un génocide. C'est aussi les logiques dans lesquelles tu fais ça. Et là, on rappelle, parce qu'eux, ils veulent nous faire quoi Tu sais, ils nous prennent des, des, des statistiques depuis 2000 et, 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 et 2024, ils montrent que la population euh, à Gaza a augmenté. Et on a, mais là, ceux qui parlent de génocide, là, en ce moment, ils ne disent pas que c'est un génocide depuis 20 ans. Ils disent que depuis le 7 octobre, là, ça fait un an. Qu'à Gaza. On voit avec la logique, la déshumanisation des, des Palestiniens, euh, les politiques qui sont menées, le non-respect des vies civiles, le rasage d'un territoire, l'idée que c'est euh, nous ou eux. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour dire qu'il y a une logique génocidaire là-dedans. Et ça fait depuis un an. Donc, euh, et oui, je ne pense pas que maintenant la population à Gaza, ce sera 2, euh, 2 millions et 100 000 personnes. Hein, je crois pas. Hein, hein. Oui, l'effacement culturel, oh, oui, bien sûr. Le discours des dirigeants, mais ouais, le discours, c'est notamment la déshumanisation des Palestiniens, de dire que c'est des animaux, des animaux humains, on rappelle. Hein. C'est du massacre, on peut pas, je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre une femme, un enfant et un, et un type du Hamas. Donc, y a... et je, rappelle, hein, je rappelle cette absurdité, ça a amené un, un jugement moral totalement absurde où en fait ils ont essayé de nous dire qu'Israël était plus moral parce qu'ils tuait avec des bombes alors que les palestiniens, notamment le Hamas avaient tué des gens en direct avec des couteaux ou que sais-je et en fait on en vient à une morale occidentale très très bizarre où tuer dix 000 personnes en bombardant c'est plus moral que tuer 1300 personnes en direct à la calache ou avec une épée ou avec un, un couteau il y a vraiment des gens qui ont montré cette logique là oui, mais nous, euh, c'est euh, des bombardements, euh, c'est pas euh, tu tues quelqu'un en direct. en mode, mais tout c'est plus moral euh, Même euh, par drone, t'es chez toi et tu, tu tues euh, 100 personnes dans un bombardement. En quoi c'est plus moral Parce que tu vois pas la victime Genre, tu vois pas la victime et ça y est, c'est plus moral Surtout qu'en plus là-dedans, Vous dire, les bombardements et les trucs, les soldats qui tuent pas directement les gens, c'est une évolution des, des, des armées modernes occidentales, le fait que le soldat tue plus directement et c'est beaucoup par bombardement. Les armées occidentales n'ont pas fait ça par morale. C'est pas qu'ils se sont dit ah c'est plus moral de tuer comme ça. Non, il y a déjà d'une c'est plus efficace. Les bombardements c'est quand même plus efficace. C'est moins dangereux pour le soldat et euh, on va en tuer plus et euh, ça épargne un peu la, 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 le moral, c'est-à-dire le moral, la psychologie de, de, du, du soldat. Donc les bombardements ils ont été favorisés par une question d'efficacité, mais pas du tout, par une question de moralité. Arrêtez de nous la faire à l'envers avec ça, vous êtes malade. On a deux extrémistes face à face. On a le Hamas, ah. mais on a aussi Netanyahou. Est Netanyahou Ah, d'accord, selon Jean Messia. Mais après, que Jean Messia dise que Netanyahou n'est pas un extrémiste, j'ai envie de dire, oui, bon, c'est logique. Il est du même camp. Il est du même camp. S'il pas... dit que Netanyahou est un extrémiste, il dit que lui-même est un extrémiste, c'est normal. Ouais. Netanyahou a été élu ou pas non, c'est pas possible. Le Hamas avait gagné les élections à Gaza. Bah <laughs> mais oui, en plus, mais oui Mais oui, c'est complètement con, il l'a niqué. Mais oui le, Si tu vas sur le truc de l'élection, le Hamas avait gagné aussi, donc c'est complètement con. Tous les morts se valent, enfin les morts innocents, parce que Sinwar, je suis très content euh, qu'il ait, euh, qu ait éliminé la semaine dernière. Là, c'est le discours idéaliste de base hein, qui s'intéresse pas aux faits. Hein sur le truc tous les morts se va, euh, tous les morts innocents se valent tu veux dire c'est très facile d'avoir ce discours tout le monde a ce discours de oui tous les morts innocents se valent mais sauf qu'après quand tu vas aller dans la réalité de ce qu'il dit il va te dire oui mais bon euh, les gens qui sont morts à Gaza ils sont pas totalement innocents puis il y avait la base du Hamas puis c'est la faute du Hamas donc c'est pour ça que toutes les déclarations en mode oui non c'est vrai euh, euh, pas de morts innocents et tout sauf que pendant votre tête c'est pas des vrais innocents donc allons, arrêtons avec ces discours idéalistes et voyons vraiment le, la, la matérialité des faits. Il faut surtout voir la, la, la moralité de l'emploi des armes. Là, il est en train de dire que pour voir la moralité d'un conflit, il faut voir la moralité de l'emploi des armes. Donc je trouve... On n'est pas sûr, hein On n'est pas sûr. C'est-à-dire que... Est-ce que tu es sûr de vouloir défendre ça en parlant d'Israël actuellement Hiroshima rigole, exactement. Exactement, Hiroshima rigole. Le Japon, c'était les méchants, mais Hiroshima, c'est pas pour ça. C'est ignoble, c'est horrible. Des centaines de milliers d'innocents euh, morts. Euh, voilà, -ce que ça veut dire que donc, euh, le plus moraux, c'était le, les Japonais Non, mais il y a juste à voir le, les armes utilisées par les Occidentaux et les, les méthodes de guerre utilisées par les Occidentaux. Et si tu es vraiment cohérent et que tu veux aller sur l'usage des armes, l'usage moral des armes, bah, tu devrais être anti-impérialiste et anti-occidental. Mais bref. Euh, C'est évidemment le résultat qu'il y aura toujours quand une armée protège ses civils et une armée se protège derrière les civils. Non mais je vais pas répondre gens on est d'accord que ça ce genre de connerie je réponds pas. Hein. Ah, justifications bon, à vraiment. des massacres de masse vraiment... et, et oui, il a raison parce que il y a, y a 10 minutes, il était en train de péter un câble parce que l'autre essayait de comprendre les contextes le contexte qui pouvait amener au 7 octobre. Voilà, les contextes historiques politiques qui euh, nous ont amené à euh, cette euh, horrible journée du 7 octobre. Et là 10 minutes après, il est en train de dire oui, bon bah en fait, il se cache derrière les civils, il se cache derrière les civils. Donc les civils voilà, c'est pour ça qu'ils meurent, c'est tout. Voilà. Sanité, une oui. question. Il y a combien d'abris pour civils à Gaza Zéro. Bah c'est normal. C'est normal. Il n'y a Pourquoi pas de zone sûre à Gaza. Tout est bombardé. Vous avez quatre. Ah. À... Mais attends, mais c'est quoi le sens de sa question Parce que même les camps de réfugiés sont bombardés. Même les hôpitaux, ils sont bombardés. Et s'il y avait des abris civils, ils seraient bombardés aussi. Je comprends pas le. Quelle est la logique euh, De euh, protéger les civils avant tout. D'ailleurs, oui. c'est pour ça qu'on parle à Gaza. Tout. Bon, qui croit hein, J'imagine même sur YouTube. Là, là, vous me regardez, les gens sur YouTube, personne y croit. à son discours. La priorité des Israéliens, c'est protéger les civils. Oui, 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 oui. Allez, 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 dégage. Sûr, sauf seulement ces zones sûres, elles sont utilisées aussi. par euh, les terroristes, même les... Il y a des zones sûres, sauf qu'en fait, les terroristes utilisent, donc on le bombarde. Donc au final, il n'y a pas de zone sûre. Allez, même si on va dans ton truc à toi, il n'y a pas de zone sûre au final. Les terroristes sont partout, et bizarrement, sont toujours là où vous bombardez, entre guillemets. Voilà, donc il n'y a pas de zone sûre. Au final, voilà. Israël, chaque maison, chaque hôpital, chaque immeuble, chaque parc, même pour les enfants, est doté par la loi depuis 1951 d'un abri pour civils. T'es en train de, de, de comparer la capacité d'Israël et la capacité de Gaza mais Gaza, vit ou blocus, comment tu voudrais qu'ils fassent ça Bah oui, effectivement, Israël a des meilleurs moyens pour se défendre. Effectivement. Ouais. Il y aurait eu des abris pour civils, vous les auriez bombardés en disant, ouais, mais c'est un abri pour abriter des terroristes. Donc arrête avec ce truc, il n'y a pas d'abri pour civils. Vous les auriez bombardés dans tous les cas. Yanis nous dit que, euh, en fait, il n'y a pas d'abri civil à Gaza parce qu'il n'y a pas de moyens. Euh, alors, dans la bande de Gaza, il y a euh, des hôtels Wouah! Et sa petite gueule de c***. Ah, il y a des hôtels? Il y a des hôtels? Oui, il y a des hôtels 6 étoiles à Gaza. En fait, c'était la belle vie. En fait, tout allait bien. On nous ment depuis le début. En fait, tout va bien à Gaza. Il y a des hôtels? Il y a, euh, des hôtels il y a des hôtels? Il y a des hôtels? Il hein, hein, y a des hôtels, oui, il y a des hôtels partout, même dans la pire ville, y dire, il y a des hôtels. dire c'est pas parce qu'il y a des hôtels que c'est la belle vie. C'est quoi cet argument Il y a bien des hôtels à Saint-Etienne. Il y a Merci. des hôpitaux. Oui. Il y a des mosquées. Attends. Attendez, 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 je reviens là, je reviens. Attendez. Il y a des hôpitaux Parce qu'il a quand même dit qu'il y a des hôpitaux. La preuve qu'ils sont riches, c'est qu'ils ont des hôpitaux, des hôpitaux qui sont payés par d'autres pays, hein, dans le truc humanitaire et tout. On rappelle, hein. c'est-à-dire ils sont riches, ils ont des hôpitaux. Oui. Il y a des mosquées. Et, 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 oui, il y a des gens en fait. Oui, il y a des maisons. Oui, en fait, effectivement, à Gaza, euh, c'est pas l'âge de pierre. Enfin, maintenant, c'est un peu l'âge de pierre. Ah, effectivement, maintenant, c'est l'âge de pierre. Tout est rasé. Il y a que des ruines et tout. Mais effectivement, avant, c'était pas l'âge de pierre. Mais c'est pas parce que c'était pas l'âge de pierre que euh, ça allait en fait. Euh, ils avaient des, ils avaient des mosquées. Hein. Ils avaient des mosquées. Sachant qu'une mosquée, ça peut être juste un bâtiment. C'est une mosquée. Hein. Mais il euh, y avait des mosquées. Hein. Non, mais c'est. Il y a. Plus beaucoup, des plus, écoles, plus beaucoup ils ont. Oui, mais il y avait des gens qui vivaient Mais tu sais quoi Attends, je vais te dire un truc. Tu sais que même dans des camps de réfugiés, t'arrives à trouver un endroit qui est une mosquée, t'arrives à trouver des hôpitaux, t'arrives à trouver des endroits qui font qui servent d'école, t'arrives à, à, à avoir des endroits où tu vas manger, même dans des camps de réfugiés. Euh, voilà, c'est pas pour ça que c'était bien. Même dans des bidonvilles. Même dans des bidonvilles, t'as des endroits où bah, là, ça va servir de mosquée, là, ça va servir d'école. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu que tu me En quoi ça, prou ça prouve juste que bah, la vie, essayer de faire son cours malgré. Et tout malgré la misère et tout les gens essayaient de vivre oui ils n'étaient pas juste à rien faire à attendre non ils vivaient donc en quoi ça prouve quelque chose qu'il y avait des mosquées des écoles et des hôpitaux en plus il a même pas pris il a pas dit euh, il y avait euh, un parc d'attractions. il y avait un parc d'attractions à gaza non il y avait des hôpitaux un, des hôpitaux des écoles euh, voilà il y avait la vie quoi la vie pour, avait euh, continué à suivre son cours malgré tout il y avait ça la jungle de Calais. oui mais c'est une folie Oui, genre les gens qui souffrent ne vivent pas, ils attendent la mort sans rien faire, oui voilà. Mais non, il n'y avait pas de part d'attraction, bien sûr que non, il n'y avait pas de part d'attraction. Mais non, je rigolais, les gens. Il y a pas de part d'attraction à Gaza. Uh, uh. Non, mais il pourrait dire à la rigueur un musée. Je pense qu'il y a un musée à Gaza. Je n'aime pas s'il y a un musée à Gaza. Je n'aime pas s'il y avait un musée à Gaza. Mais à Ricœur, allez, tu prends des trucs qui sont pas utiles parce que l'école c'est absolument utile, euh, l'hôpital c'est absolument utile, la mosquée quand t'es un musulman bah oui il y a une mosquée c'est utile. Je pense que même dans les ghettos juifs, dans les ghettos juifs il y avait un endroit qui servait de synagogue. C'est pas pour ça que les ghettos bon, bah, les étaient coup, bien. Ouais. Dans les ghettos juifs il y avait des endroits qui servaient d'école. C'est pas pour ça que le ghetto était bien. Je veux dire c'est quoi ce euh, euh, non les juifs ne souffrent pas. Sachez que dans ce ghetto il y a un endroit qui sert de mosquée ah, et il y a un endroit merde. qui sert d'école. Et vous voulez dire qu'ils souffrent euh, non? À Sarajevo, il y avait des mariages pendant le siège. Oui, mais parce que la. En fait, ce qui est assez horrible et assez beau en même temps, c'est le truc qui est un peu dramatique et c'est le drame humain. Sachez que malgré, même dans les pires scènes, la, la vie essaye de, faire, de, de, de suivre son cours. C'est-à-dire, c'est comme on a vu en Palestine, pendant les massacres, ben, il y a des moments où les gens allaient à la plage, les, les gens essayent. Malgré tout, malgré tout, de vivre. Essaye d'avoir des instants d'insouciance, des instants de bonheur, des instants où ils oublient le bordel. Oui, bah oui. Tu vois, des camps de réfugiés, t'as des enfants qui essaient de jouer. Pendant un moment, t'as des adultes qui vont rigoler, qui vont se marier. Oui, c'est la vie. C'est la... Voilà, on continue comme ça. Genre, on n'est pas genre comme ça à rien faire, à souffrir. On essaye de vivre malgré tout. Qu'est-ce que c'est cette folie Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes Même en Allemagne nazie, il est, certains civils se réfugiaient dans les euh, rames de métro, dans tout ça. Ah, ah oui, mais, oui, mais bon, on ne compare pas l'Allemagne nazie et euh, Gaza. L'Allemagne nazie avait l'argent pour euh, se développer d'un point de vue technique, technologique et tout. Tu le comprends Même architectural. Gaza vivait, ça fait 20 ans que Gaza vit sous blocus. Qu que tu, qu que, de quoi tu me parles alors, dire... alors, affamer les populations civiles. Depuis... Empêcher les, convois, les convois humanitaires de passer. Depuis le 7 octobre, il y a un million de tonnes de vivres. Ah là, il est en train de dire qu'en fait, il n'y a pas de problème avec l'humanitaire. En fait, toutes les organisations humanitaires mentent depuis le début. Les gens qui alertent sur la situation à Gaza mentent. Tout va bien, l'aide humanitaire et tout est là. C'est bon. bon. Non, mais on a à quel degré de négation... Là, les gens, c'est du négationnisme pur et simple. Ça nie la réalité des massacres. Ça nie la réalité de l'horreur. En médicaux. En, 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 en... Gaza est en situation de très famine, attends, selon les rapports de. Oui. Non, non, mais et, et en plus, en fait, il dit, ouais, il y a un million de tonnes d'alimentaires de, de, qui est arrivé là, d'humanitaire. Mais tu sais, les, les gens ne savent pas de quoi a besoin Gaza. Parce que nous, on, a, on dit, oh, putain, un million, c'est beaucoup quand même, un million. Vous savez déjà ce que ça fait, 1000 euh, mille... Euh, l'armina, vous savez déjà ce que ça fait, 100, l'armina, 1 million. <laughs> Arrêtez. Euh, sauf que bah, c'est peut-être dix fois plus qu'ont besoin les Palestiniens. L'équivalent de tonnes qu'il y a de, de, de vivres qui a été distribué à Gaza, qui a été autorisé par Israël, d'accord, c'est euh, l'équivalent de 3000 calories par personne, par jour. Hein oui, non, mais... <laughs> Là, il est en train de nous dire, mais qu'en fait, l'aide à Israël est tellement énorme qu'en fait, il y a que des obèses à Gaza. Là, on est en train, de... ils ont 3000 calories par jour. Voilà. Euh, Ma source? C'est Netanyahou, Netanyahou qui l'a dit. Voilà. Non, mais attendez, faut... c'est culotté, là. J'ai je... plus les mots tellement c'est osé comme défense, là. Et voilà, hein, ça vit bien. Hein ça mange plus que moi. <laughs> euh, je pense que là, t'as Médecin Fron Sans Frontières qui est en train de faire euh, une syncope, là, qui est en train d'écouter ça. Se... Mais c'est caché où, en fait Elles sont cachées où tes 3000 calories D'où Mais en fait, à partir du moment où tu peux mentir, il n'y a plus de débat, quoi. Non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai. C'est tout. Égypte et Israël. Donc ça ne correspond pas à ta définition d'enclave. Bien euh... enclavé. C'est un, un territoire enclavé. Non. non. Bah, dans les faits, c'est enclavé, ils peuvent pas sortir. Les Palestiniens, ils sont bloqués. C'est qu'est-ce qui que, qu -ce qu raconte Bien sûr que c'est enclavé, ils peuvent pas sortir. Oui, y a... oui, oui c'est pas comme si en plus ils avaient construit des murs. <laughs> non, c'est pas enclavé, non, 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 n'y a pas de mur, non, c'est une vue de l'esprit, non, non, non. On estime aujourd'hui qu'il y a oui. à peu près 20 000 civils qui sont morts, d'accord, qui, le... qui sont morts de la guerre. Euh, on... 20 000 civils qui sont morts de la guerre. 20 000 civils, c'est 20 000 quoi Attends, aujourd'hui ça date de quand cette vidéo Attendez parce que là je suis en train de péter un câble. Il y a deux jours. 20 000 civils, oui. On estime, oui. Il a posé la bonne question. C'est qui ont, qui qu'il y a euh, 20 000 civils Oui, même 20 000 c'est pas acceptable. Bien sûr que non, 20 000 c'est pas acceptable. C'est déjà euh, 15 fois plus que le 7 octobre. C'est déjà euh, voilà. C'était 20 000. Hein. T'es 20 000 ou personne y croit hein. Contester mes chiffres. Non, mais le bon problème c'est qu'au bout d'un moment non, le principe d'une guerre c'est que tu as toujours ouais. les données après ouais. Ouais. Donc on va pouvoir le principe d'une guerre. Non, t'as as, as déjà des bonnes données, tu sais déjà à peu près, tu peux estimer. Tu peux estimer, il y a aucun professionnel qui va t'estimer à 20 000 le nombre de civils morts à Gaza. Personne. C'est toujours la donnée finale une fois qu'elle est finie, donc on va pas se balancer non, les... mais, oui, mais, mais Non, mais alors je peux dire, il y a eu 10 morts. Voilà. voilà. Vu qu'on peut pas avoir des chiffres exacts, je peux dire, non, mais là, il y a eu 10 morts civils. Bah oui, mais on n'est pas sûr. On pas sûrs. On, pas, on peut jamais savoir. Là, je pense qu'il y a eu 10 morts civils. Ben, on verra après, on verra après, pour l'instant on est d'accord pour 10 Allez, 10. Deux, On sait pourquoi deux, les chiffres du Hamas stagnent au fait, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait donné une explication, que c'était difficile de faire les décomptes, que c'était euh, de plus en plus inaccessible d'avoir accès au corps, aux identités, c'est ça qui faisait que ça stagnait, c'est que bah il euh, n'y bah, a plus les moyens de, de faire les comptes quoi, grosso modo. Donc 1 pour 1,5, d'accord, c'est l'un des euh, ratios, donc pour, euh, combattants pour civil, terroriste pour civil, c'est l'un des ratios les plus bas dans le contexte. Ah, mais il est en train. Ah non, mais attendez, sa stratégie de FDP. C'est en train de dire, allez, il y a, y a 60 000 morts et il euh, y a 20 000 civils. Donc en fait, il y a très très peu de civils tués parmi euh, tous les tués. Euh, y a, on a tué beaucoup plus de combattants. Et là, on en vient à ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est quoi des civils C'est quoi des civils pour lui Et dans leur logique à eux, tout homme de plus de 14 ans, même de, de même de plus de 12 ans, tout homme de plus de 12 ans pour eux est un combattant. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. C'est quoi les civils C'est juste les femmes et les enfants. Et là, même ça, juste les femmes et les enfants, ils sont en train de les voir à la baisse. Là, il est en train de les revoir à la baisse, ce petit FDP. Et en gros, dans sa logique, c'est tous les hommes, bah, c'est des, des combattants. Donc ça va, il n'y a pas tant que ça de civils morts. Peu importe à ce qu'il y a à la fin, hein, l'homme palestinien. Hein. Évidemment, c'est tragique, mais il n'y a une pas de guerre sans euh, mort collatérale. Ah, Toi, oui, ce que oui. tu dis, c'est que ce sont... Donc là, on, on revient à ce qu'il disait il y a 20 minutes qu'on pouvait pas excuser, on ne pouvait pas tenter d'expliquer la mort de civils. Et là, il est en train de faire pareil. Il est en train de dire, oui, bah c'est la guerre. Pourquoi il y a des millions de flyers, d'appels, des oui, de trucs C'est pas parce qu'à chaque fois qu'il est avec, tu les les des mots avec mais... une source... Oh, on met des millions de flyers avant de bombarder les innocents. leur dit déplacez-vous du point A parce qu'on va, va bombarder le point A, aller dans le point B. Et bon, bizarrement, on a aussi bombardé le point B, mais au moins, on a fait les flyers. Hé hey Oh, il y a un moment donné, on peut respecter les flyers d'Israël. Israël envoie des flyers avant de bombarder. Vous savez combien ça coûte, un flyer Hé, hey, moi, j'en fais des flyers avec la Zavoie. Ça coûte cher, un flyer. Donc, on peut admettre que quand même, ils font l'effort. De... Vous avez Vous eu le prix de l'imprimante Les cartouches c'est vous qui faites les cartouches Ah voilà, il y a un moment donné, on ne respecte pas assez. Israël qui fait des flyers, c'est personne. De, de, personne est en mode ah oui, quand même, quand même. Il y a un budget, oui, il y a un budget papier et tout. Vous vous rendez compte, le l'argent qu'il dépense là-dedans, c'est bon là. Euh, c'est quoi on, Bah t'es un, un propagandiste israélien. Je t'explique un truc. Le Hamas. Attends, ça l'énerve ça Ça l'énerve qu'on lui, qu lui dise que c'est un propagandiste israélien. Mais dire, si toi tu n'es pas un propagandiste israélien, à quoi ressemble un propagandiste israélien je t'explique un truc, le Hamas, d'accord, ne fait pas le poids militairement contre Tzahal, t'es d'accord Absolument. Personne ne dit le contraire. Absolument personne ne dit le contraire. D'accord, quelle est la seule arme du Hamas pour étrangler Israël sur la scène politique des, des photos horribles d'enfants pris sous les décombres. En fait, y a, y a, y a, allez, imaginons, imaginons que le Hamas utilise la photo de bébés euh, tués euh, sous des bombes pour euh, donner une mauvaise image à Israël. il bah, y a une solution toute simple, qu'Israël arrête de tuer des bébés. Alors je sais, ça peut paraître compliqué comme ça, ça peut paraître un petit peu fou, mais si Israël arrête de tuer des innocents et notamment des bébés, eh ben le Hamas n'aura plus de bébés à exposer parce que Israël les a tués. T'arrives à comprendre le truc Mais voilà, le, le, le responsable c'est vous, hein, c'est pas, c'est voilà. excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Et quand je dis vous, je parle des sionistes. Euh, je peux plus dire des sionistes, excusez-moi, non, des gens qui soutiennent Israël. Quand je dis vous, je parle des gens qui ont une politique pro-israélienne et qui soutiennent Israël dans le massacre en cours. Moi, ça va me mettre dans la merde, hein, la loi sur le sionisme, hein, je vous le dis. Hein. Allez, je les appelle les shintoïs parce que je suis dans la merde avec le truc sionisme. Hein. D'accord, vas-y. Bah vas-y, je finis le truc et je vous envoie. Allez. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que, en Occident, partout dans le monde, il y a des gens comme toi qui vont mordre l'hameçon et qui vont dire, voyez ?» Il y a des gens comme toi. Et pourquoi Parce que comme t... il y a des gens comme toi qui sont horrifiés, des gens bizarres, qui sont horrifiés quand on voit qu'Israël tue des bébés. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens comme toi qui croient à ça, au bébé mort, et qui trouvent ça dégueulasse. Et, et voilà, voilà où on en est. Hein. C'est trop, c'est trop. Vous voyez, en ce Israël C'est ça l'arme du Hamas. Mais c'est ce que fait Israël. Mais, mais c'est ce, ce que fait Israël. Là, il est en train de nous dire que Israël ne fait pas ça. Il est en train de nous dire que Israël n'a pas tué des enfants. Non mais voilà, écoutez les gens, euh, là j'arrête. Est-ce euh, que vous voudrez qu'on fasse la suite euh, vendredi ou on abandonne Parce que là je vais... Euh... Non, bah, je pense que vous, vous êtes tous non, je pense que je vais juste arrêter là. Hein. Et sur Youtube, aussi sur Youtube, vous pouvez me dire, je vais essayer de faire le best-of. Vous pouvez me dire si vous voulez que je fasse la suite ou pas de, de, cette, de ce débat. Euh, là c'est euh, trop long, ça dure deux heures, donc euh, je ne peux pas le faire en un stream j'ai fait avec bassem donc euh, si vous avez envie je peux continuer si vous n'avez pas envie j'arrête là hein, quoi mais les gens c'est un peu guess mais c'est juste comme bassem c'est l'occasion de donner des vrais arguments et de donner des vraies réponses à la propagande israélienne quoi mais euh, moi c'est comme vous voulez franchement oui bonjour j'ai fait tout le live de critique d'israël et des états unis avec euh, le chapeau de mini parce que je trouve qu'il y a un truc assez, c'est la société de consommation, enfin un truc comme ça. On peut trouver un truc politique. Le truc le plus gay que t'aies jamais fait, de même. Ça fait. Il y a des gens qui m'ont dit que ça m'allait bien premier degré.